stream la table à fond de cale. Et bonsoir. On est un peu les... C'est un peu notre truc dans le jus. Salut. Salut. Bienvenue à fond de cale virtuel. Comme toujours. C'est l'épisode 9 de Berlin 18. Normalement, l'avant-dernier. Je sais pas comment on va faire pour trouver une fin ça va être chaud, qui se tienne. Et on va pas forcer la chose hein, si ça vient pas naturellement ou si on trouve ça un peu bancal. On se rajoutera une petite partie. Hein. On va pas... Et puis moi, je me disais que vos personnages et tout, je les retrouverai bien plus tard. Pas forcément avec ce système, ou peut-être avec. Ou... Mais les laisser dans une situation compliquée ou quoi, et les retrouver à leur sortie de prison. Tu vois, ou sur le front de l'Est, ou que sais-je. Ouais, donc, dans l'épisode précédent, ultra rapide, on avait passé l'épisode sur la tentative de Clara de se faire du blé. Elle avait aiguillé ses collègues sur un faux tuyau donné par son indique, un certain 2K Handler, un clodo à la tête d'un petit gang de clodos. Et elle s'est fait doubler par celui-ci. Alors, c'était pas sorti de nulle part, c'était sorti de ses propres jets de la fois d'encore avant, qui avait été tout moisi, c'est-à-dire qu'il y avait... Bref, voilà. Donc, ça a mal tourné, on va dire. Même si, côté police, vous avez plutôt fait du damage control. Hein. Vous avez arrêté l'une des parties, même si vous les avez pas ramenées jusqu'à la Folk House. Tout le monde s'est fait des... Branislav s'est fait un indique. Un des hommes de 2K Handler. Krista, qui a sauvé la vie... préférant attraper la main du parrain d'une triade chinoise plutôt que la valise de fric qui tombait dans le vide. Elle a potentiel pareil indique, on va dire ça comme ça, en tout cas un lien privilégié avec ce parrain qu'elle a laissé en plus libre, malgré les poursuites qu'il aurait pu encourir pour le trafic auquel il s'adonnait, n'est-ce pas ? Tout à fait. N'est-ce pas ? Voilà, oui. Un truc. Christa en temps réel ce soir, c'est ouf. Parce que normalement, ça aurait été comme ça. En fait, ça faisait 5 minutes. Mais c'est vrai en plus, ça, d'habitude, il y a une antenne, c'est horrible quoi. Je suis en train de me dire que si on peut. Un brin, je pense que par rapport à sa liberté, ça aurait été bien de lui dire un truc du genre je le relâche avec ses hommes, mais par contre, il va nous falloir des hommes. Donc, s'il a deux têtes à sacrifier contre sa liberté. Oui, je pense que ça se fait hein, dans la mafia. Échanger la tête d'un parrain contre deux petites frappes. Donc, oui, je pense qu'on peut dire que vous n'êtes pas revenu les mains vides. Et qu'effectivement, deux personnes qui avaient peut-être pas encore de sursis ou j'en sais rien, pas comme Sarko, enfin, pas rien à voir, vont prendre un peu les peines et au moins vous permettre d'asseoir un peu votre dossier, parce que sinon, effectivement, vous seriez revenu après une demande officielle et des bloquements, enfin des déblocages, mise à disposition de matos un peu spéciaux, vous seriez revenu les mains vides. Et évidemment, avec accord que ces gens-là admettent qu'ils étaient coupables, etc., et qu'ils vont faire un petit peu de prison pour valider le dossier, quoi. Ouais. De toute façon, je pense qu'ils sont en pleine expansion, la triade, la Heisho, et du coup, il doit infiltrer des gars, il n'y en a pas encore assez dans la prison de Berlin 18. Donc... il te l'a pas dit, mais voilà, t'as cru comprendre que ça l'embêtait pas trop et que ça rentrait dans sa stratégie d'expansion. Ça lui rendait aussi service. Alors, peut-être pas aux gars eux-mêmes, hein, qui étaient peut-être pas tout à fait au fait de ce qui les attendait. Mais... ok, donc ce qu'il y a à retenir de tout ça, c'est surtout que Clara s'est fait doubler. Elle revient sans la cam, sans argent. Sa couverture n'est pas explosée du coup auprès de vous, quoique, si, auprès de Branislav, un peu. Qu'est-ce que vous avez compris de ce qui s'est passé, Christa et Bran? Est-ce que vous avez vraiment
intégré que qu'elle vous avait monté un bateau ou est-ce qu'il y a encore un doute ou pas? Moi, je pense que globalement, il m'a quand même dit que j'étais que normalement il y avait un deal de fait par quelqu'un. Ouais. Donc il y a Anguille Soir. Bah c'est un des deux, mais potentiellement quand même mon instinct de flic me dit que contre toute attente. Donc où? Et Christa, ouais, toi, ouais, c'était un peu. Et moi, j'étais mute. Ah. Du coup, ouais, dans la bagnole, alors, je ne sais plus exactement ce qui a été dit, mais je me souviens d'une scène où je regarde Clara et je comprends qu'il y a un guide sous roche. Bah, il me semble aussi que tu avais demandé au monsieur là, que tu as sauvé, qui était, pour qui travaillait tout à l'heure, et il t'a dit que. Non, il travaillait pour que le... c'était lui, voilà. Ouais, pour lui-même, oui, oui. Et du coup, j'avais compris que Clara était certainement mêlée parce que c'est son indique, et voilà. Mais elle avait complètement esquivé mon regard, etc. Ah non, c'est une discussion qu'on aura. Je t'ai regardé, mais. Poker face, c'est ça. Ok. Donc, on sait que Clara. A envie de se venger ou de récupérer quelque chose ou quoi, surtout que Branislav a les infos du lieu de la planque de Touquet Handler, et ça pour éviter absolument de repartir dans un scénario du même genre. On va le régler par une manœuvre que j'ai bricolée pour l'occasion, mais on le fera en laissant passer un peu de temps quand même. Mais en gros, tu vas pouvoir prioriser ou la vengeance ou essayer de rattraper le coup en termes pécuniers. Je te dirai la manœuvre et on réglera ça en 1G lorsqu'un peu de temps sera passé. Ok. Qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre à noter? Bah si, j'avais lâché deux petites bombes à la fin. en une minute. Informer Christa que son détective personnel était en train de prendre peur parce que l'assistante sociale était suivie par d'autres gens que lui. Il était inquiet. Et il avait identifié l'autre personne qui... Phoebe McKay, ouais. Ouais, une journaliste d'investigation. D'accord. Et puis, juste avant que vous partiez à l'action, la fois d'avant, ouais, il y avait déjà le mendiant qui avait fait état à Bran de la disparition, ou en tout cas de sa jeune sœur, d'une de ses jeunes sœurs. Et en l'espace de quelques heures après, il y a eu une jeune femme retrouvée en bordure du quartier de Siroseux, a priori dans une posture peu classique, à savoir crucifiée, donc morte, une jeune femme. Et voilà, ça... Alors, comment dire... L'originalité, on va dire, du meurtre, ou en tout cas de la découverte, a déjà eu des échos dans la presse. On aura l'occasion d'y revenir un peu. Début d'épisode, on va torcher vos niveaux de vie respectifs. Donc soit vous mettez un euro marque ou deux de côté, soit vous les dépensez, en me le disant à tour de rôle, selon... vos priorités du moment. Qu'en est-il pour toi, chère Clara? Voilà, de toute façon, je t'ai pas le choix, en fait. Tu dépenses tout parce que t'as pas mis de blé de côté, quoi. Puis, ouais, non, je te pose pas de questions, sinon on est reparti. Christa, qu'en est-il de tes finances? Oui, à chaque fois. Moi, je dépense tout parce que du coup, j'ai dû rentrer chez moi, donc j'ai dû banquer entre taxi, bouffe, et moi, comme j'étais pas revenu, je pense que il a eu un petit peu peur, le tavernier, donc il a dû me faire payer le repas ou me demander l'avance, tu vois. Ouais, ouais, et ça aussi, pensez hein, que lorsque vous dépensez tout et que vous avez un peu de marge, c'est une bonne occasion de faire baisser votre stress simplement parce que vous vous mettez un peu bien, quoi. Si vous avez de la marge pour ça. Clara, elle n'a pas le choix parce qu'elle vit au-dessus de ses moyens. Donc, voilà. Mais, et Bran, du coup, qu'en est-il pour toi? Moi, je pense que
J'en dépense un pour le commun et j'en garde un pour les bonnes œuvres. Ok. Très bien. Et je pense que nous allons commencer par une scène entre Bran et la procureure. Parce que ça fait un moment que ça traîne. Dans son bureau ou... On peut choisir un lieu peut-être un peu plus discret, c'est-à-dire elle a peut-être tenu à ce que... Elle a l'air un peu inquiète des oreilles qui traînent et des potentielles écoutes auxquelles pourrait être soumis son bureau. Du coup, je pense que si ça te va, vous avez choisi un lieu qui s'y prêterait pas, qui se prêterait pas spécialement à un rendez-vous professionnel normalement. Je sais pas si tu as une idée de quelque chose d'original. Ouais, je connais un petit coin au 30e étage de la cité Rorschach, un endroit où on n'est pas trop emmerdé. Pas trop emmerdé. Alors, cité Rorschach, quoi, carrément ça. Moi, je pensais plutôt à un Starbucks du futur, ouais. Version allemande, ou un parc sous la neige, ou un marché de Noël, voilà. Un marché de Noël cyberpunk, je ne sais pas à quoi ça peut ressembler, mais on va dire ça. Ok. Parce que, bien sûr, hein, le cyberpunk, c'est mieux que maintenant, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de sortir dehors et tout. De boire des coups, des vins chauds frelatés, tout ça quoi. La vie, la vraie. Tant que j'y pense, oui, Clara, vous avez remis la main sur un véhicule over machin truc. J'ai réécouté la fin. C'est vrai que vous avez, ah oui, vous c'est avez vrai. Extorqué ce véhicule à la triade chinoise. Le pare-brise, vous mais... avez ça dans un coin. Ouais, ouais. Vous lui trouverez un usage. Non, vous mettrez un filet. Ou... C'est ça. Une balle, une sketch. Ok, donc Bran, t'as en face de toi la procureure, comment s'appelait-elle? Ursula Beck. Je pense qu'elle est emmitouflée dans une grosse canadienne avec, comment? Une grosse capuche avec un peu de fourrure quand même. Hein. Le nez rougi par le froid. Et puis mais l'ambiance alentour est plutôt bon enfant, donc marché de Noël fortement décoré, et les fêtes sont des éclairages dans lorsqu'on est dans le smog est toujours plus intéressant. Tu vois, les particules de pollution reflètent très bien les différentes lumières de couleur du gigantesque, je sais pas si c'est Noël, d'un coup c'est Noël, ça n'a aucun sens, hein. Je sais plus quelle saison on était, quelle saison on jouait. Oui, du coup, elle doit être en train de, je sais pas, tu la rejoins à un point de rendez-vous à une heure donnée, et elle te voit pas trop arriver, elle est occupée, je sais pas, à observer une partie d'échecs entre deux joueurs emmitouflés eux aussi, tu sais, comme les espèces de petites tables de parc là dans un coin, ouais. Avec un vendeur de marron chaud non loin. Et un autre de vin chaud. Mais ça ressemble, et effectivement, la demande et le point de rendez-vous ressemble un peu à une rencontre d'espions, quoi. T'en as bien conscience. Bah, je m'installe pas loin d'elle, mais j'y dis rien, du coup. J'attends qu'elle me voie. Ok. Je pense qu'elle est totalement prise par la partie d'échecs et que ça prend un peu plus longtemps que tu ne l'espérais. T'as le temps de te refroidir un peu, puis finalement elle te voit et elle s'approche de toi. Ah, Sergent Collard. Madame le procureur. Oh, vous pouvez m'appeler Ursula. Très bien. Bon, j'ai appris que vous aviez hérité d'une nouvelle affectation. Oui, au plus près de nos citoyens, de nos concitoyens. Oui, mais au plus loin de, comment dire, des centres décisionnaires, malheureusement, un peu. C'est vrai. Je ne sais pas si vous avez réussi à... Elle regarde un peu autour d'elle, à pousser un peu les questions que je vous avais soumises.
Oui, du coup, je me souviens plus, je crois que j'avais imprimé ce mail. Si oui. Tu veux l'avoir imprimé, tu l'as imprimé. Oui, oui. Lui, on fait parvenir par un autre moyen au préalable, que comme tu veux. Ouais, bah, je lui montre le mail. Ah, dit-elle. Alors, je ne pensais pas que deux Suffren puissent être un allié, mais peut-être me suis-je trompé si elle a été écartée aussi vite. Avez-vous une quelconque idée de d'où provient la consigne, enfin, là, c'est assez... ouais, je sais pas. L'ordre vient de sa hiérarchie à lui, hein, je pense. Après, ça laisse peu d'ambiguïté à qui ça doit profiter. Hein. Mais ça, c'est encore Darmanin, ça, du coup. Mais oui. Non, mais effectivement... De manière amicale. Ben écoutez, je suis un peu gêné du coup de votre nouvelle affectation à Cirrhose. Bien que je vous ai vu, comment dire... Enfin, je pensais pas, hein, cher Branislav, je peux vous appeler Branislav. Vous pouvez. Ursula. Que vous feriez connaître aussi vite du grand public. La première, comment dire, votre premier haut fait médiatique... Mais là, je vous ai vu en tête d'un cortège, par exemple. Bon, bientôt, vous serez un visage avec lequel il faut compter. Mais c'est une position, comment dire, à double tranchant, quoi. Vous pouvez être haï ou à l'inverse, trouver une certaine protection dans votre notoriété. Avez-vous réfléchi c'est... Est-ce que c'est de la stratégie dont vous faites preuve ou... Ben, il me semble que la dernière fois que nous nous étions vus, vous m'aviez demandé d'agir. J'ai agi selon les préceptes pour lesquels vous m'avez engagé. Je pense que l'action que j'ai faite avec mes collègues pour détourner la manifestation a permis de sauver des milliers de vies. Nous avons réussi à arrêter par la même occasion certains troubleurs d'ordre public. Et nous avons aussi débusqué quelques planqués de notre bureau. Donc si je devais faire un état des lieux, je pense que c'était plutôt pas mal. Alors, sur l'action en elle-même, hein, bien sûr, je ne remets pas en cause vos choix du moment. Je me demandais un peu plus simplement si vous aviez un plan à moyen ou long terme. Est-ce que devenir une figure publique et être si rattaché au culte d'Ashlam fait partie de votre plan ou... Parce que j'ai l'impression que deux choix s'offrent à vous. Moi, j'aurais opté pour une prise de grade progressive au sein de la hiérarchie. Là, vous pourriez peser avec une influence plus grande sur des subordonnés éventuels. Mais vous semblez faire un choix un peu différent qui m'étonne. Je ne sais pas trop encore qu'en penser. Mais... Vous m'avez fait embaucher. On sait tous les deux que j'ai pas eu mon concours. Oui, mais voyons. Vous m'avez fait embaucher sous le prétexte de ma religion, parce que vous avez utilisé ma médiatisation et le fait que j'ai été pris en vidéo. Nous avons préparé, vous m'avez bien formé sur les médias, et je ne fais que suivre la route que vous m'avez proposée au final. Non, très bien, je voulais m'assurer que vous ne faisiez pas que rebondir d'un déboire à l'autre. Bon, c'est bien. Donc, sur le personnage public rattaché à Daslam, ça me va comme plan à défendre médiatiquement. Ça, je trouve
Mais plus que tout, ce que je recherche, c'est à rendre la société meilleure, hein, que ce soit avec Daslam ou pas. Et c'est sur le terrain qu'on l'a fait. Alors, c'est sur le terrain et quand même dans des postes décisionnaires assez importants. Hein. Je l'avoue. Mais bon, je pense que je peux vous révéler aujourd'hui que je partage votre foi. Simplement, avec d'autres membres de l'intelligentsia du Zentrum, nous ne n'avons pas révélé nos obédiences et nos croyances. Et nous cherchons à placer un réseau d'influence qui pourra changer les choses en bien de l'intérieur. Simplement, nous avons à nous défier désormais de prophète qui a sensiblement les mêmes intentions que nous, mais comment dire, opposées, ou en tout cas. Bon. Alors simplement, oui, depuis votre petite Algeco, j'ai cru voir où vous avez été posté. Oui, il faut que vous jouiez la carte du chantre religieux, hein, je le pense. Si on doit faire un plan de communication, donc vous aurez tout mon appui, hein, en jouant cette carte-là, sachez-le. Mais c'est un jeu dangereux, une telle exposition médiatique. Est-ce que je peux vous apporter une quelconque aide sur une problématique actuelle, ou... Ben aujourd'hui, nous avons très peu de matériel, et notamment de communication. Ceux de prophètes nous ont été bien évidemment enlevés. Et je pense que vous l'avez certainement vu, les journalistes se sont bien dépêchés de venir sur Zeroz pour voir les crucifixions, la crucifixion que... Oui, d'ailleurs, les nouvelles se succèdent et oui, les théories, toutes plus farfelues les unes que les autres, pullulent. Et les échos de l'ancienne affaire Nigel ne cessent de résonner, faisant les choux gras de la presse à un scandale. Bah, alors malheureusement, hein, oui, un appui financier, je suis procureur, hein, je n'ai pas accès à un quelconque portefeuille. Donc je pensais plus potentiellement légalement. Hein. Même si je dois vous dire, il faut absolument que vous fassiez attention à vos collègues. Ils semblent être l'un comme l'autre assez dangereux pour votre carrière future. J'ai entendu parler de cette Tillman. Personnage absolument détestable. Alors je baisse les yeux, je pense. Clara Tillman est certainement dans votre plan média. Ne pourriez-vous pas d'ailleurs vous servir d'elle, la faire tomber en révélant contrefaçon, c'est... Non, je suis lié à elle d'une façon plus importante que ce que vous imaginez sans doute. Ma foi, puisque vous la partagez, vous savez que je ne peux pas trahir ma famille, et il s'avère que je la considère comme de ma famille. J'allais plutôt vous demander... je sais qu'elle est... C'est ça, dans une campagne lointaine. Je souhaiterais que vous puissiez la protéger, parce que la protéger, c'est me protéger. Je sais qu'elle est l'objet de quelque chose, d'une enquête du SAD. Bah si oui, vous pouvez regarder, c'est... Plus d'une, ouais. Si je dois tout vous dire. Voilà, moi, je peux pas la protéger, mais je sais que vous pourrez. Alors, si... je pourrais si, oui. Si son nom passe sur mon bureau à un moment ou à un autre, ok, Je me souviendrai qu'elle est importante à vos yeux. Simplement, si je peux vous conseiller. Oui. Quant à Christa, je pense que ses objectifs peuvent être assez proches des vôtres.
Oui, mais c'est une personne, comment dire, qui a les nerfs à vif, qui semble avoir subi des... Enfin, difficile de prévoir ses actions futures. Oui, mais elle est opiniâtre, et elle est... Elle veut faire tomber Prophète. Mais ça c'est de manière presque trop affichée, quoi. Elle c'est... Je pense qu'elle est dans leur collimateur. Il faut que vous soyez plus fin que tout cela, mon petit Bran. bon, en tout cas, si je peux... Alors là, elle regarde à nouveau autour d'elle. Vous avez à proximité immédiate de votre groupe, voire même au sein de celui-ci, mais je n'ai pas réussi à en avoir la confirmation, un membre actif du SAD. Méfiez-vous, Branislav. Très bien. Je vous remercie. Qu'est-ce que je peux... Est-ce que vous voulez que j'aille chercher un petit peu plus profondément Ah, si cela vous est encore possible, si vous avez encore, comment dire, ou si vous retrouvez un accès à la Folk House 18. Bien sûr, j'aimerais en connaître plus sur le nouveau Faltour, mais je crains que vous soyez dans une posture un peu délicate pour enquêter sur ce personnage que j'ai vu un peu apparaître de nulle part, hein, je dois vous avouer, là, sa nomination. Ce monsieur Brawl. Non, mais sinon, depuis Sir Rose, si nous jouons la carte de... Comment dire, de votre image médiatique, sauter sur l'occasion dès qu'elle se présentera de la faire enfler, j'ai envie de dire. Et puis, oui, si j'arrive à... Que vous soyez si lié à vos collègues m'inquiète un peu quand même. Il faudra peut-être que vous sachiez au bon moment vous protéger de leur potentielle déchéance. Oh, vous savez, selon notre religion, c'est quand on est au plus bas qu'on peut commencer son ascension, non ? Et je pense que nous y sommes tous presque. ok, je sais pas si tu as des questions pour elle ou d'autres sujets que tu aimerais aborder. Sinon... Qu'est-ce que vous pensez de Vitaly Belov ? Ça pourrait être un bon moyen de se renseigner. Je sais plus qui c'est. Celui avec qui je m'étais embrouillé. Ah. Écoutez, vous pensez avoir une entrée potentielle ? Vous ressentez chez lui une franchise ou en tout cas un levier ? Vous avez quelque chose peut-être sur lui ? Ça, ce serait le meilleur moyen quand même d'avancer, hein, de découvrir ouais. quelques oui. Cachotterie de collègues, même si c'est dangereux, bien sûr, de faire du chantage. Mais oui, activer tous les leviers que possible. Hein. Très bien. Bon, eh bien, sur ce, ça caille alors. Je vous dis à bientôt, à très vite. À très trop, bientôt. Ouais, j'espère avoir des nouvelles directes plutôt que de les apprendre, enfin de les voir. À la télé. À l'été, oui. Bah, attendez-vous à ce que la prochaine soit à la télé. Hein. Ah. Bon. Elle souffle bruyamment, et se retourne et s'en va. Et tu vois que la suie se détache du groupe un personnage. Qui semble être plus affecté à sa sécurité hein, que quelqu'un qui la suit avec des mauvaises intentions. Et voilà. Ok. Bon. Cher Clara, je vais te proposer de rattraper le coup, du coup. Rattraper le coup.
J'ai appelé ça comme ça. Rattrapons. Alors, non, c'est parce que j'ai senti que tu, ton perso, puis de toute façon ton personnage ne peut pas laisser ça en suspens. Courir, hein. Ouais. Tout à fait. Donc, je sais plus, on avait, ouais, je suis parti du principe que tu lui avais partagé les infos, Bran. Oui, c'est ce que j'avais dit, ouais. Que je lui bats froid, mais que je lui donne les infos. Branislav t'a partagé les informations de son nouvel indique, et tu connais désormais la planque de Touquet Handler et de sa bande. Fort de cette information, est-ce que tu vas chercher en priorité à te venger de lui ? Alors, j'ai mis sous couvert d'une descente de police, hein, au cours de laquelle il pourrait lui arriver des bricoles ou simplement il serait enfermé. Selon la réussite du jet, tu auras plus ou moins de choix. Ou est-ce que tu cherches en priorité à te refaire, à récupérer l'argent ou la cam, ou même les deux ? Et pour ça, il faudrait par contre user de moyens pas très légaux, quoi. Activer d'autres indices ou quoi, enfin bref, et tenter un coup sur place. Et pareil, là, ça peut bien ou mal se passer. T'as le texte sous les yeux ou... Ah non ? Ou pas du tout ? Non, mais c'est pas obligé, hein, je te l'ai présenté comme ça. Il est où ? Tu peux aller sur ma vue. J'avais fait une petite aide, mais c'était pour moi. Ouais, mais... okay. Sinon, je peux te les lire. C'est rattraper le coup. Oui, tu peux regarder les enjeux que j'ai écrits sur les 6 moins ou... Ah, j'ai pas lu. Attends, tac, tac, tac. Non. Alors, si tu cherches en priorité à te venger, sous couvert d'une descente de police, lance 2d6 plus 1. Je suis allé revoir les probas des PBTA. J'ai fait dit bon, 2d6 brut, c'est trop sale. Sur 10 plus, choisis ce qu'il advient de lui. Tu remets en plus la main sur la cam ou l'argent au choix. Sur un 7-9, tu choisis simplement ce qu'il advient de Touquet. Et sur un 6 moins, il s'échappe et tu réentendras parler de lui. Si tu recherches en priorité à te refaire, à récupérer l'argent ou la cam, ou même les deux, usant de moyens pas très légaux, lance 2d6 plus 1. Sur 10 plus, tu récupères la totale, fric et cam. Sur un 7-9, tu ne récupères que l'un des deux au choix. Et sur 6 moins, tu fais chou blanc et le SAD te tombe sur le rab. Eh bien, je vais me venger de lui. Ah ouais, j'ai ma réputation à tenir. Effectivement, si je laisse passer ça, mes autres indiquent derrière, ça va pas te faire quoi. Ok, donc ben selon le résultat, on va se raconter un peu ce qui ouais, s'est passé, comment ça s'est fait. Donc, la planque, on avait dit qu'elle était sous Potsdamer Platz, c'est en fait, ils occupent un réseau de qui touche les souterrains du métro. Et où il y a des grosses souffleries d'air chaud, là, et du coup, ça fait des endroits, ma foi, assez vivables, même au cœur de l'hiver, pour les sans-abri. Mais c'est un lieu un peu disputé, et ils y ont fait le ménage, comment dire, jetant un peu tous les autres squatteurs pour en faire leur QG. Et c'est un lieu, ma foi, un peu stratégique, puisqu'il permet, par le biais de ce hub de transport, d'aller en tout point assez vite. Eh bien, je vais lancer. Allez. Roulement de tambour. Ouais, on racontera tout une fois le résultat. En quelques minutes. J'ai peur de cliquer. 2d6 plus 1, chère Clara. S'il te plaît. 7. Ça va. Alors. On évite le pire. Mais bon. Eh bien. Attends, j'attends dessus. Sur un 7-9, tu choisis simplement ce qu'il advient de Touquet. Donc, tu peux dire adieu à l'argent et à la cam. Alors, j'ai mis que c'était sous couvert d'une descente de police, donc ça conviendra peut-être bien aussi à Krista et Branislav qui ont sûrement participé. Et, ouais. Et du coup, le dossier complet autour de cette affaire de trafic entre la triade et, va pouvoir s'étoffer, hein, puisque voilà, vous allez avoir... L'autre part du deal. Est-ce que je peux choisir du coup choisir ce qu'il a dû en ouais, mais est-ce que tu peux me dire si genre il va prendre perpète ou pas, il peut prendre perpète ou il veut juste prendre un an, truc comme ça quoi, tu vois. Tu peux vraiment choisir. Selon là, en gros, tu peux avoir simulé le fait qu'il t'ait tiré dessus pendant la descente et l'avoir flingué.
Tu peux avoir simulé le fait qu'il t'ait tiré dessus et du coup il va prendre perpète. Enfin, c'est vraiment au choix. Ou alors tu peux le. Fais gaffe, parce que si tu fais arrêter, il va te balancer. Quoi. Tu peux tout faire. Tu choisis ce qu'il advient de lui et tu peux choisir qui redevient ton indic parce que tu lui sauves la mise. Qui... Ouais. Non, non. Non, non, on va faire un peu un exemple de son cas. Oula. Alors, je vais finir sur les voies. C'est soit effectivement je bute tout de suite, ou alors je le fais enfermer, mais je dans une prison où je sais que il y a des ennemis à lui et qu'il va y passer quoi, tu vois. Ok. Je me dis-moi. Tâte. Est-ce que tu trouves le plus exotique? Non, bah ouais. Non, je vais le faire. Je vais le tuer tout de suite. D'accord. Ouais. Donc ça s'est passé comment lors de la descente? Lors de la descente, c'est vers le métro, hein, c'est ça? Ouais, dans les souterrains, ouais. Et ben, malencontreusement, des locaux techniques, etc. Quand on l'a remonté et qu'on est passé aux abords d'une voie de métro, bah, il est malencontreusement tombé. Oh, il a tenté de fuir. Ouais, il a tenté de fuir. Au pire moment. Et en fait, non, c'est encore pire, ouais. Ah. Il a tenté de fuir et en fait il y a vraiment juste sa tête qui s'est fait éclater, tu sais. C'est à bout de bras comme ça. Et paf, il s'est fait éclater par un wagon. J'aime bien. D'accord. Mais par contre, j'ai vraiment mis. Donc ça c'est pour ce qui sera marqué dans le rapport, mais je l'ai vraiment mis. T'as essayé de le sauver en fait? Non. Oui. Mais. T'as essayé de le rattraper quoi. Voilà, mais je l'ai vraiment mis comme ça, je l'ai tenu. Qui voyait vraiment la mort arriver, quoi, tu vois. D'accord. Donc Clara est une psychopathe. Ouais. Ça fait la deuxième fois là, que je constate. Voilà. Elle est juste assoiffée de sang. Elle tue de sang-froid pour le deuxième jour consécutif. Enfin, non, peut-être quelques jours se sont passés, mais ouais, ben Clara tue de sang-froid. On rigole pas avec ça. Ok. Et donc, du coup, par contre, ça va se savoir auprès de mes indics et auprès des gens. Tu sais que. Bah, qu'il faut pas me la faire à l'envers. Ok. Tu comprends ? Tu vois ce que je veux dire ? Convu de tout ça, Krista et Branislav, ils sont arrivés après, sur la mort en tout cas de Touquel. Bon, ils sont pas forcément obligés de l'avoir vu. Donc ils arrivent juste après en courant, quoi. Ouais. Et là, bah, je dis, bah, il a voulu s'enfuir, j'essaie de le rattraper. Et voilà, quoi. J'ai fait tout ce que j'ai pu ! Exactement. J'ai ma petite larme de sang. Ok. Bon. Psychopathe. Par contre, tu es dans la merde financière. Et pareil pour Cherry Bomb, etc. Ouais. Donc, elle avait un Mac à qui elle devait tout un tas de pognon. Hein, bah, c'était 15 euros marque. Ouais, 15 euros marque. 10 ou 15, parce que je m'étais fait 5. Ok. Donc, je crois que c'était 10 euros marque. Bah, c'est pas refait depuis que. Bah, c'est ce que j'allais te dire. Qui a fait définition buccale dans son salon. Bah écoute, si, mais ça a l'air indépendant. C'est une note qu'elle n'a pas réglée, elle, et qui comporte un risque. Et tu la connais, effectivement, elle vit là, bien, je pense, ouais. Qu'elle s'est fait du blé, mais elle flambe toute sa thune. Non, mais plusieurs fois, elle m'avait dit vas-y, je te paye et tout, machin. Et bah écoute, quand elle me le propose, je lui prends un truc. Je sais pas, elle me propose un. Non mais 3, bien sûr, 3, ça a marché à ce moment-là, je pense. Là, c'est compliqué en ce moment. Ok. Je veux dire, je vais faire. Si seulement elle t'avait présenté le gars dans ton voisin du dessus là. Eh ben, elle doit toujours le fréquenter, hein, par contre. On va continuer à faire des deals et puis c'est tout. Hein. Voilà, on verra si l'histoire revient sur le. Ouais. Sur le devant. Ça peut toujours être utile aussi, hein, vu ce qu'elle se tape, hein. Notamment le mec du dessus. Mm-mm. Ok. Krista, je pense que bon, tout ça s'est passé. Il y a eu l'arrestation de Touquet et sa mort, le bouclage de l'affaire du deal entre la triade et le gang des Clodo. Et puis, ouais, du coup, on va être. Alors, le temps est un peu fluctuant, hein, sur la découverte de la mort de la jeune femme. On va un peu enchaîner sur cette enquête, mais du coup, tu vois, je pense depuis ton bar. Qui est à moitié chez toi, pendant le petit déj bacon grillé bière,
tu vois les nouvelles de la télé qui est présentement sur la chaîne Zyklop, donc la voix de prophète, hein, ni plus ni moins, et l'œil en plus, où Steffi Hart, la belle présentatrice blonde qui avait interviewé notre cher Branislav, se lance dans une espèce de diatribe autour de la nouvelle des enlèvements de jeunes femmes, qui n'est autre que celle-ci, je m'en vais vous la lire. Alors qu'une nouvelle et sordide affaire d'enlèvement de jeunes filles frappe une fois de plus le quartier de Sirose, des questions légitimes inquiètent les citoyens de Berlin. Alors que les forces des Falkamps ont fait le choix douteux de mettre le quartier sous la juridiction d'un trio d'agents pour le moins douteux. On y retrouve en effet une certaine sergent Tillman, dont la réputation est entachée de multiples enquêtes de la police des polices, mais aussi le sergent Collard, dont il serait légitime une fois de plus d'interroger la loyauté. Ce dernier revendiquant haut et fort ses croyances, les substituant, oserais-je le dire, à son uniforme. Et le meilleur pour la fin, la nouvellement promue lieutenant Bowman, dont le nom vous est peut-être inconnu, chers téléspectateurs et lectrices, mais qui n'est autre, je vous le donne en mille, que l'ex-compagne du sergent Alexandre Nagel, lui-même condamné pour son implication dans des faits étrangement similaires. Et blablabla, blablabla, et tu vois, ça enchaîne sur des images horribles de la jeune femme dont il a l'air de manquer les mains et qui n'a pas été enlevée assez vite de son espèce de pilori, quoi. Et les différents médias de Berlin se sont donnés à cœur joie pour la filmer sous tous les angles. Et je m'en vais vous laisser la main, alors que je pense que vous vous retrouvez de nouveau dans votre petit LGCO personnel, sauf si vous avez trop d'autres envies avant cela. Donc, l'équipe au complet, avec vos trois loustiques en plus. Toujours les mêmes, hein. Où sont-ils? C'est Semret, André et Léonide sont présents. Par quel bout allez-vous attaquer cette histoire? Chef. tous les jours. On peut reprendre un peu, je vous disais, le temps est fluctuant, on peut reprendre où vous voulez, hein, c'est-à-dire au moment sous le corps de la jeune femme, en allant assister vous-même, ou plus un peu plus longtemps après. Ou... Ouais, parce que du coup, le corps, il est où, en fait, là, la morgue, j'imagine. Oui, mais on peut faire un petit flashback, si vous voulez. Vous avez pu vous rendre sur les lieux au moment où elle a été découverte, hein, si vous voulez. Ouais. Ouais, au moins d'être là et de pouvoir relever un max d'indices sur les lieux. Du coup, on reprend alors que vous arrivez sur les lieux. Effectivement, à la frontière du quartier de Sirose, à la frontière nord-ouest, à la frontière avec le quartier de Reinickendorf, qui est un grand quartier un peu... d'habitation ou qui monte un peu en gamme mais léger, hein, par rapport aux autres de Berlin. Simplement, il y a une espèce de no man's land comme pour bien marquer la frontière entre les deux quartiers, là où il n'y a même pas de camp et tout, où je pense qu'il y a des services de la voirie ou même des services privés ou des gangs de Reinickendorf qui font le ménage, qui empêchent les réfugiés et les membres de Dachlam de s'étendre un peu de leur côté. Et bref, et c'est dans ce no man's land, là, dans ces gravats et tout, qui a été monté, ou alors sur un vieux poteau électrique qui restait là, que vous pouvez assister à cette scène macabre du corps nu d'une jeune femme qui a l'air contusionnée d'horrible façon et qui manque les deux mains, après, qui gît attachée et décédée. Et autour, la foule, avec des représentants du culte qui essayent de la maintenir à distance. Il n'y a même pas de cordon de sécurité de police, ni au vu du quartier dans lequel on est. Tu es mute.
Merci. Du coup, les mains ne sont pas du tout sur la scène de crime. Non. Elle a juste les mains coupées, quoi. Ouais. Et il y a d'autres parties du corps qui paraissent anormalement, ou du moins fétichistement, ou symboliquement mutilées. Non, comme ça, non, elle a l'air vraiment d'avoir été rouée de coups. Il lui manque les mains. Elle est jeune, ouais, pré-ado, quoi. Une chevelure blonde. Elle avait l'air assez grande pour son âge. Et vous entendez assez vite, du coup, les hurlements attristés de membres de sa famille. Ou de gens qui a priori la connaissaient, puisque les... si autour il y avait que des réactions un peu horrifiées dues à la nature de la scène, là il y a des gens qui ont l'air extrêmement troublés qui viennent de la découvrir et qui se mettent du à coup, faire là, un esclandre. Ouais, pardon. Non, vas-y, c'était ça. On est au début du balisage, grosso modo. On est les premiers, plus ou moins, sur les lieux au niveau de l'enquête. Avec la presse. Avec la presse. Du coup, ce que je vais faire, bon, pendant que tout le monde arrive, j'imagine qu'il y a tout un tas d'équipes qui arrivent pour relever les indices, etc. Pas du tout. Pas du tout. Non, c'est Skyrose, il n'y a que vous. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a que vous et des manœuvres, parce que faut qu'on joue des manœuvres. C'est vrai. Parce qu'en fait, il y a deux trucs, en fait. Le premier cas, sur un côté complètement... légal, on va dire, ça serait de demander des renforts pour relever tout ce qu'on peut sur. Ouais, ben, tu vas me dire, c'est nous à le faire, du coup, mais on n'a pas de légiste, on n'a rien. En fait. Si, police scientifique, là. Oui, d'accord, mais police scientifique, c'est. Non, tu veux. Nanana, demande de légiste. Bah ouais, on peut le faire. Moi, je me demande si je vais pas voir Semret. Mmh. Et je dis discrètement, je dis Semret, tu te souviens des cours de Oscar Bloom sur les sadiques? Parce que tu commences à faire un cordon et regarde dans la foule s'il n'y a pas des gens bizarres. Voilà, tu sais, moi c'est ça. Les gens qui regardent faire, un petit peu ce qui se passe. Sergent, on est à Cirrose, ils sont tous bizarres. Ben, trouve des gens plus bizarres encore. Trouve des gens qui sont bizarres mais différemment. Je suis sûr qu'avec ton œil, ça serait de s'en sortir. C'est vrai, les gens qui pourraient prendre du plaisir ou qui ont des comportements qui sont différents de ceux autour qui sont soit horrifiés, soit. Et regardez, lui par exemple, celui qui bave là, qui a l'air complètement allumé, ça compte ou. Non, mais c'est quelqu'un qui est calme. Souviens-toi de tes cours. Ah, mais c'était non, il y a non, 4 c'est semaines. Fait. Excusez-moi. Bob. Mais j'en ai vu un, il a l'air totalement bizarre. Okay. Non, pardon, ça y est. Comment faire sortir de l'ambiance? C'est moi à chaque fois. Du coup, pour revenir à la police scientifique, c'est bien quand tu relèves les indices. Moi, ce que je demandais justement, c'était d'avoir des gens par rapport quand tu as le légiste et que tu as les personnes qui sont là pour préparer les corps, récupérer les corps et la relève d'indices. Ils peuvent être mobilisés, bien sûr. Vous les appelez, ils vont se déplacer hein, quand même. Surtout sur un truc qui fait les gros titres comme ça, qui a tout de suite. Je pense. Ouais. Donc vous leur demandez de venir. Oui. Très bien. Qu'est-ce que vous en tentez d'autre? Une demande officielle, c'est ça? Non. Après, il y aura un jet hein, de. Enfin non, il y aura une manœuvre de police scientifique. Moi, j'essaye de circonscrire. Un peu plus précise. La foule et de d'essayer de repérer des suspects potentiels en même temps que j'essaye de préserver la scène de. Donc tu nous fais un petit relevé des indices. Je sais pas si c'est relever ou survivre dans la jungle pour prendre le contrôle d'une situation. L'enjeu n'est pas d'un débordement là. Ouais. Ouais, c'est plus là il faut commencer à remonter une. Ou faire naître une piste. Qui est fort en loi?
Moi j'ai 1, toi aussi t'as 1. Et tout le monde a 1. Balance, Branislav. Ouais. De toute façon, c'est toi qui fais la manœuvre, donc ça peut te lancer. Donc, quand tu effectues un travail d'investigation pour découvrir des indices, interroger les témoins, fouiller les lieux du crime, etc., lance 2d6 plus loi. Donc, comment tu t'y prends là? Tu m'as dit que tu circonscris un peu comme Semret pour étoffer un peu ton approche. Voilà, moi j'essaye d'observer en fait la foule, de regarder qu'est-ce qui peut se passer et de sécuriser en fait la scène de crime. Donc du coup j'observe tout ce que je peux observer. Et ouais, notamment l'extérieur quoi. Je suis plutôt tourné vers est-ce qu'il y aurait un suspect qui pourrait regarder. Ben voilà. Un petit 4 pour commencer. Au top. Ok, youpi. Du coup, pose quand même une question. Ah oui, il y a deux questions. La liste. Bah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui semble particulièrement suspect? Oui. En ce que. Une jeune femme, pareil, une ado, quoi, a les yeux littéralement figés sur le corps de l'autre qu'on est en train de descendre. Et tu vois qu'elle elle a le visage totalement horrifié. Et lorsqu'elle elle voit que tu la fixes, Elle se trisse et juste avant, elle a un espèce de rictus nerveux quoi, qui découvre un peu ses dents et tu vois une légère teinte vert fluo de son émail qui trahit une consommation d'une drogue particulière qui s'appelle la fine pulver, enfin un truc connu qui a tendance justement à. Enfin, elle a l'air fortement droguée, mais par contre, ouais, ce qui t'interpelle tout de suite, c'est que elle avait l'air horrifiée, voire de connaître la personne accrochée là, et au moment où elle te voit la fixer, elle se carapate, quoi. Par contre, c'est un 6-, et du coup, au moment où tu vois cela, tu es pris au col, une fois de plus. Putain, tu es toujours souvent pris au col. Ouais, par, collard. Quelqu'un de la foule, c'est vrai. À mon tour, elle dit c'est bien maintenant que vous arrivez les folk salauds, on est abandonnés ici. Si vous étiez un peu plus présent, ça arriverait pas à ce genre d'horreur. Il est devant quoi, t'étais en train de voir la personne fuir quoi, et il s'interpose. Et bien sûr, c'est un gros bonhomme, hein, sinon ça serait pas drôle. Qui te secoue un peu. Que fais-tu? Enfin, que faites-vous les uns les autres? Moi, je prends la défense de Branislav et je repousse cet homme. De quelle manière? Je lui sors mon fusil à pompe que je lui mets dans la bouche. Je rigole, c'est pas vrai. j'ai une manœuvre pour ça. Je fais un regard de tueur. Et en plus, on sait que t'es une tueuse. Bah en plus. Désormais, c'est avéré. Tu vas commencer à pouvoir faire des encoches. C'est ça. 2d6 plus force. Force, j'ai toujours 0. Moi. Allez, bah je fais ça. Je fais un regard de tueur en m'approchant de lui. Les dés. Je t'en prie. Je cherche les dés. Là. Plus 0. Toc. Je sais pas, je suis pas su. J'ai fait combien? 6. Putain, ça va être beau. Bon, ce départ. Elle a peut-être raison, on est vraiment des losers. Elle est où ta manœuvre? Il y a marqué quelque chose. Ça, sur 6 moins, c'est vers toi qui se tourne. Ouais. Ah, bah d'accord. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? C'est pas moi que vous devriez essayer de
d'arrêter, hein, c'est les assassins. Mmh. Et pourquoi tu n'en serais pas un? Hein? Je dis, pourquoi ce serait pas toi l'assassin? Bah, je pense que du coup, t'as des bruits dans la foule qui disent « Non mais ils sont complètement cons, ces flics !» Et puis du coup, ils te poussent, ils te rabrouent un peu. Et ouais, vous êtes pris à partie de manière plus physique. Je pense que vous allez prendre un petit point de stress. Oh, oh, oh. Toi aussi, hein, Christa. La pression monte. Alentour. Putain, et il me reste plus qu'un point et je pète les plombs. Mais attends, mais d'où t'as repris tout ce stress? Bah j'ai pris, tu sais, le bras mécanique là. C'est des gars. Le bras mécanique. Ouais. Que bah, faites-vous coup, je vous avais décrit qu'il n'y avait pas d'enjeu quant à maintenir la paix civile sur place, mais là les 2-6 mois me font mentir. Pour ma part, je vais faire usage de la force, en fait. Je vais, voyons que ça dérape un petit peu de tous les côtés, je vais sortir mon âme, arme, la pointer d'abord vers le haut dans un premier temps. Ouais. Et demander c'est que ma tout technique, monde... ça demander regarde que les drones. Tout le monde se calme, en fait, qu'on a un corps à une femme mutilée, mutilée, battue, et etc. Et que maintenant, tout le monde va se calmer, et la moindre personne qui... Alors j'ai un petit problème sur ta proposition, Lafli, ouais. C'est que le faire usage de la force, il faut viser la personne. De la force, ouais. Si y a un échec. De quoi? C'est un survivre dans la jungle. Ouais. De quoi? En tout cas, il te faudrait potentiellement infliger des dégâts aux personnes qui refuseraient. Oui, justement, dans un premier temps, je lève mon arme en fait, mais faire usage de la force. Si jamais ça c'est un échec, c'est que l'autre va dériver et dans ce cas-là, je lui tirerai dessus. Alors, tu peux frapper de la matraque ou enfin voilà, parce que là on est d'accord, on va frapper sur une foule, on va tirer sur une foule. Non mais là dans un premier temps, la personne qui est principalement ciblée, c'est celui qui a chopé Branislav et qui se retourne contre Clara. Après, usage de la force, oui, on peut y aller à la matraque et aussi. Hein. Oui. Sortir la matraque à la place. C'est vrai que je me Très bien, mais je t'en prie, fais-nous. Donc, t'aurais pas dû dire, il reste que 2 épisodes, parce qu'il n'y a plus de morale, il n'y a plus rien. On pète les plombs, quoi. Usage de la force, j'ai combien en force, hein? Oh. 8. Putain, c'est parti. Alors, sur un 8+, enfin sur un 7-9, pardon, le MJ peut également... Alors, je choisis si le criminel obtempère ou non, s'il refuse, il subit les dégâts de ton arme, et je peux également choisir une des options suivantes. Il résiste avant d'être maîtrisé, il prend la fuite, tente de négocier sa coopération, mais c'est pas vraiment un criminel. Si, c'est un criminel, il s'en prend à des flics, des folks. Bon, écoute, il va... Ouais, tu vois que il prend la confiance à mesure que les regards alentours se portent sur la scène, quoi, et que tout le monde monte un peu en pression et râle, exprimant un peu sa frustration, et puis devant l'horreur aussi. Il y a plein de parents alentours là, de la situation, bref. Et du coup, il faut que tu fasses un exemple. Lui, il se calme pas. Et du coup, c'est ça. Il faut que tu... Enfin, ça va calmer les esprits, mais lui, il faut qu'il prenne un peu. Du coup, je choisis que le criminel résiste avant d'être maîtrisé. Il faut que tu me décrives. Il prend les dégâts, donc. S'il survit, il peut t'infliger les siens. Ah oui. Bah oui, il va y avoir une petite rixe entre toi et lui, du coup. Mmh. Ouais. Il frappe à main nue. Tu vas reprendre un point de stress supplémentaire. C'est tout. Tout le monde va prendre elle veut péter les plombs. Là, je ne sais pas si les plans, j'aimerais bien avoir 3 stress un jour en fait dans cette partie. Bah t'as vu là, j'ai un peu, je lâche un peu plus. Parce que disons que j'ai une manœuvre que je n'ai jamais utilisée encore. Ah bah prends 2 points alors, parce que oui, effectivement, il avait un point américain dans son proche. Et toi du coup, avec quoi tu le calmes ce cher monsieur? Comment ça se passe, Christa? Ouais, décris-nous un peu. Je pense que du coup, j'ai beau m'approcher avec la matraque, il continue à avancer, limite il se retourne.
Ou alors, là, exactement, sa position, c'était quoi? Il a chopé Clara ou pas, du coup? Ah, il a chopé Bran, après, il a chopé Clara qui lui a parlé, et là, maintenant, tu t'adresses au... Calmez-vous tout de suite. Je pense qu'il tient encore Clara, en fait. Ouais. Et qu'il s'énerve, il s'énerve, il s'énerve. Et non, mais peut-être qu'il a lâché, lâché Bran entre-temps, tu vois. Et justement, il doit se retourner complètement sur Clara. Et limite, il doit aller pour la frapper, mais violemment. Et à ce moment-là, je pense qu'il y a un coup de matraque. Non, pas un coup de matraque, un coup de taser de la matraque qui doit le faire retourner. Et dans ce cas-là, il se retourne contre moi, il chope son poing américain, il me colle une grosse droite qui me descend dans la mâchoire. Et il finit sous les coups de matraque de tout. Il finit sous les coups de matraque. Il y a André qui sort de nulle part, hein, pour mettre un petit coup de pied à la fin. Voilà, et la foule un peu voilà, se recule devant l'usage de la force des forces de l'ordre. Et on me note. Les journalistes ne manquent pas une seule seconde de toute la scène. Et tout cela, malheureusement, Branislav, t'a fait perdre de vue la jeune femme qui a disparu dans la foule. Que faites-vous ensuite? Eh bien, moi, je vais faire la petite tournée des cousins. Ok. Faire le tour de mes indices. Je ne dépense pas de remarques, car je n'ai pas de remarques. Et sur un 7+, mes indices te fournissent une piste intéressante. Le MJ te dira laquelle. 7-9, tu dois d'abord filer un coup de main pour briser des rotules ou rallonger un petit supplément. Je peux t'avancer si tu veux. Ouais, mais vas-y, moi j'ai confiance en les dés. Les statistiques sont avec vous, c'est vrai. Ouais. Je t'en prie, mais alors ça se passe un peu de manière déliée dans le temps ou... Oui, bah après, quoi, une fois qu'on est un petit peu fini, avant de rentrer, au camp. On peut le considérer comme un vrai dossier. Vous allez cumuler des preuves, hein, sur celui-là. Mmh. Et bon, en termes de pistes, vous n'avez que le corps en lui-même, la famille qui pleure, au préalable, la sœur du mendiant qui a disparu. C'est un peu les seules choses qui existent dans le dossier pour l'instant. 5, c'est ça que t'as fait? Ouais, non, mais on va y aller. Allez. C'est bien. Moi, j'aimerais avancer dans l'histoire, hein, mais du coup. C'est quoi là, sur un 6-1? C'est quoi? C'est une embrouille? Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Y'a rien à remarquer. Je réussis pas. Je les trouve pas. Je trouve pas mes indiques. Manœuvre de MJ, là. Bah, je vais faire avancer la... L'horloge de la... Enfin, oui, bref, je dis pas parce que ça... Ça spoil. Ok. Écoute, si Rose, malheureusement, chère Clara, c'est un peu un terrain vierge pour toi, ou en tout cas où tu n'as pas tes entrées, quoi. Et ouais, malheureusement, tu appelles 2-3 personnes qui pourraient vivre, par exemple, de l'autre côté, côté Reinickendorf ou non loin. Et... Je fais chou blanc. Personne ne sait trop ce dont tu parles et ne sait comment t'aider, malheureusement. Mais vous allez perdre un peu de temps dans ces tentatives. Qu'est-ce qu'on fait d'autre pour faire avancer le schmilblick? Du coup, je pense que au niveau de la relève des indices, on n'a plus rien à faire sur cette scène-là, je pense. Et d'avancer dans le temps, en fait... pour justement voir avec la police scientifique et peut-être interroger les mendiants pour avoir s'il n'a pas une photo ou un truc. Le corps est a rejoint la morgue ou peut-être le légiste de la Folkhouse. Et vous pouvez effectivement et faire appel à la police scientifique. Ouais. Qu'est-ce que vous chercheriez à savoir en particulier? Police scientifique, mais avant peut-être de demander à Bran, vu que t'es proche, c'est bien passé avec le mendiant, si t'accepterais d'aller le voir, savoir s'il n'aurait pas une photo, ou du moins de prendre une photo pas du corps. Et mais c'est pas si sa fille. Sa sœur. La morte qu'on a trouvée n'a aucun lien encore avec le mendiant pour l'instant.
Non, mais c'est un indice que, qu'on avait. Donc, ça serait bien de savoir si, vu que si elle n'est pas identifiée, de savoir s'il y a un lien, parce que dans ce cas-là, ça nous permettrait d'établir un temps, etc. Et du coup, si c'est le cas, bah, de lui poser un maximum d'informations. Il n'y a pas de papier d'identité, je suppose. Alors, elle est nue. Hein. Ah, ben oui, c'est vrai. Elle était nue, ouais. Du coup, on ne sait pas qui c'était. Par contre, je vous avais décrit ça, des gens horrifiés non loin qui avaient l'air d'être des proches. Oui, qu'on n'a pas interrogé, mais bon, c'était pas trop le moment. Quoi. Mais vous pouvez revenir les voir. Ouais. Là, c'est simplement vu que la police scientifique, c'est pas une manœuvre où vous allez jeter les dés. C'est plus une manœuvre où vous allez faire une demande. Alors, quand tu demandes auprès de la police scientifique une analyse des indices relevés, demande au MJ ce que tu veux savoir exactement. Si c'est dans leur champ de compétences, le MJ te répondra sincèrement, mais choisira entre 1 et 4 options dans la liste ci-dessous, en les articulant avec 1 et plusieurs et ou. Putain, mais ça m'en mêle plein sur le RAB, tout ça. Donc ça va prendre du temps. Bah, moi, je pourrais vous dire que ça va prendre du temps si tu n'auras qu'une réponse approximative, si tu dois fournir des indices complémentaires, ou s'il y a un prix à payer, un service à rendre, ou avoir l'aval de quelque chose, bref. Du coup, moi, la question principale qui m'intéressait, notamment par rapport à ce qu'on savait, c'est s'il y avait eu agression sexuelle. Le type d'arme, en fait, avec lequel, enfin, d'objet, elle a été mutilée, que ce soit par rapport à... aux mains coupées ou les blessures qu'elle a eues. Je sais pas si je peux poser deux questions en fait. Si, c'est la police scientifique, c'est une analyse légiste quoi. Enfin, c'est des choses qui communiqueraient sans trop de problèmes. Et là, c'est des constatations après un examen. Ma foi, tu demandes pas un truc ADN ou. Donc c'est assez simple. Donc je pense que tu auras toutes ces réponses. Oui, donc et très étrangement, il ne semble pas y avoir eu d'agression sexuelle. Je dis étrangement, je ne sais pas pourquoi. Par rapport au fait qu'elle soit nue, on aurait pu penser que logiquement, il y avait eu agression. Elle semble être morte de cette espèce de rouée de coups qu'elle a subie. Quoi. Et l'amputation a été post-mortem, mais semble avoir été faite avec une lame... soit d'un gros couteau, soit d'une machette, soit de donc l'amputation des mains. Et du coup, les coups qui auraient été fatales, c'était coups en base d'une arme, de poing, de lame de... C'est quoi comme blessure qu'elle a en fait? C'est comme si elle avait été rouée de coups, coups de pied, coups de poing, mais tellement tellement longtemps par tellement de personnes que. Elle aurait cassé de partout, elle aurait fait des hémorragies. Ouais, des hémorragies internes et ce genre de choses. Et est-ce qu'elle se droguait? Oui. Elle a les gencives vertes? Les dents. Les dents, pardon. Les dents vert fluo. Et c'est la pierre. Même... ouais, voilà. Vous l'auriez peut-être même vu... de vous-même, mais elle avait un espèce de tatouage mais qui symbolise une espèce de lézard ou de salamandre sur le flanc droit. Ça nous parle pas? Ça vous parle? Bah oui, ça me parle. est-ce qu'on a des preuves? Non, mais est-ce que tu. Là, pas sûr, j'ai envie de faire une recherche informatique, mais c'est marqué plus près. Ah, elle se gagne par d'autres manœuvres. Par des relevés les indices réussis. Mais d'accord. Vous pouvez multiplier les relevés les indices. Est-ce que recherche informatique, on peut déjà en faire une première maintenant et en refaire une plus tard si on a plus de preuves ou pas? J'ai envie de te dire oui. Ok. Et ben, on dit oui. On peut peut-être essayer de faire une recherche informatique pour voir auprès de Velda ce qu'elle en pense. Alors il faut que tu me poses une question avant de lancer. Et moi je me demande si on ferait pas une petite réunion quand même pour voir les indices qu'on a et faire un profilage de nos suspects.
Tu veux pas attendre de voir le mendiant peut-être avant? Avant de faire le truc de... Pour peut-être établir l'identité Eh et bien, avoir justement plus d'infos sur les lieux. prenons le temps alors. Allons voir le mendiant. Non, mais après, ça peut être simultané en fait. Ah, mais autant, parce qu'il faut des preuves, donc Ah oui. autant d'essayer de choper, vu comment on a la choumoune avec les dés, autant Non, en même que temps, peut-être qu'avant ça, ouais. quand on établit un profil, en fait, on est plus efficace dans notre enquête après. Ça amène des plus, hein, c'est ça? Voilà. Ben oui, hein, libre à vous. Il peut y Donc ça, avoir du coup un petit temps, vous vous croisez tous dans l'Algeco une fois de retour, quelqu'un revient de chez le légiste, Clara elle revient de ses indices mais de manière infructueuse, et puis vous retrouvez Branislav qui est en train de se frotter le front. En train d'essayer de compiler les informations, les rares informations que vous avez pour l'instant, et je vous laisse un peu du coup en parler entre eux. qu'est-ce qu'on a fait des trois zigotos? Mais ils ont amené l'algico, C'est avec nous. non? Ouais, bon, il doit y avoir plein d'autres choses à faire. Hein. Peut-être assurer un peu de sécurité lors d'une distribution. Enfin bref, mais vous pouvez les utiliser aussi si tu le veux. Par contre, si tu voulais juste les Non, situer c'est narrativement. juste savoir s'ils sont dans la pièce ou pas pour que Bah, libre qu'on à discute. toi, si tu veux qu'il participe ou non. Wow, moi, je pense qu'ils sécurisent. Hein. On les a envoyés sécuriser. Les PNJ, qu'est-ce que vous? On a aussi les trois autres de ta deuxième équipe, Christa. Une fois Ah par ouais, mais semaine, du hein, il faut coup, penser. le Ouais, seul par truc, c'est un. qu'il faut définir d'avance ses compétences, etc. Et là, je vois pas trop ce qu'on pourrait appeler tout de Ok, suite là. ça marche. Donc, je pense qu'on pourra le faire dans le temps pour leur attribuer une compétence propre. Parce que du coup, il faut définir la compétence. Et ben pour faire le profilage, On sait que bon, la gestion des visiblement, affaires c'est sexuelles, hein. la manœuvre. Quand tu établis le profil d'un criminel, liste les informations dont tu disposes et explique les conclusions que tu peux en tirer. Quand quelqu'un utilise ce Visiblement. profil pour découvrir le coupable, il gagne plus en continu tant que le profil concorde. Quand une découverte dément ce profil, le profil n'est plus valable et le bodice n'est plus applicable. Le coupable ne rentre plus dans les cases. T'es sûr que tu veux pas qu'on aille interroger un peu avant? C'est Mais non, vrai. bah, enfin, moi, je En fait, trouve que la c'est. manœuvre, elle est bien faite parce qu'elle n'est que sur la perception. C'est-à-dire que même si on arrêtait quelqu'un de, si on faisait rentrer dans des cases, tant qu'on ne prouve pas le contraire, c'est la Ça force peut de. même marcher de manière un peu émergente. Ouais. J'entends bien, le seul truc, c'est que du coup, on n'a strictement rien. Enfin, T'as concrètement, l'air j'entends d'avoir des bien. super idées, On Branislav, il va nous les dire. n'a Mais si, rien pour établir un attends, on profil. sait qui l'a coupé avec un couteau. On aurait pu croire que c'est quelqu'un qui est fort. S'il a coupé avec une machette de main, c'est quelqu'un qui est Imagine costaud que et je hyper te casse violent. un C'est arbre. pas forcément un médecin. Parce que la coupure, elle n'est pas aussi nette que si ça avait été avec une scie à os. Je sais même pas comment on ampute, mais. Du coup, ouais, c'est un crime qui est violent, mais est-ce que ça veut dire que c'est un professionnel qui l'a fait? C'est un crime qui est violent, mais à côté de ça, c'est quelqu'un qui doit être quand même assez soit fin, soit fétichiste, du moins de par le côté elle est nue, épurée, elle a été complètement frappée, certainement par plusieurs personnes, je pense, même si c'est pas pour être aussi sombré aussi violemment. Et le fait qu'on lui coupe les mains. Soit on tombe dans le fétichisme, soit dans la punition. Ceci C'est dit, si vrai, elle est c'est droguée, bizarre. la punition, elle peut être quand même pas mal. Elle était droguée, j'ai vu dans la foule une jeune femme visiblement droguée qui était horrifiée et qui s'est enfuie au moment où je me suis attrapé par le col. Je pense que c'était une bonne piste, peut-être les parents. On pourrait essayer d'aller d'aller refaire un tâter le terrain sur place et essayer de la retrouver, cette fameuse dame, après aussi.
Est-ce que le tâté c'est le terrain qui contrôle, ouais. Ouais, on peut peut-être même remonter en retrouver, ouais, quand on aura l'identité, de retrouver bah, sa famille en fait qu'on a vue sur place. Et peut-être que bah, c'était soit une très très bonne amie, soit un membre de la famille. Et dans ce cas-là, on devrait pouvoir trouver l'identité. Et bah allez, on va d'abord voir le... Donc, est-ce qu'on peut se dire que là, aujourd'hui, pour moi, le profil, c'est un tueur en série. Enfin, c'est quelqu'un qui a prévu de remettre ça. Pour moi, enfin, rien ne dit qu'il y a plusieurs personnes, je ne sais pas. Est-ce qu'on sait s'il y a d'autres Est-ce qu'on a entendu... Pour ça, il faudra faire une recherche informatique, j'ai envie de dire. Eh bah, ben, ouais, bah, au moins sur ça, vas-y, je vais faire... Est-ce qu'il y a une recherche... Est-ce qu'il y a d'autres personnes Ah, maintenant, Est-ce qu'il y a d'autres affaires en rapport, c'est ça? Ouais. Ça rentre là-dedans? Ah bah oui, carrément. Ouais. Oui. Comment on se divise alors? Chef. Comment on se répartit les tâches alors, chef? By the way... Je suis content d'être lieutenant, la plus. Je voulais vous dire... Non mais moi je suis contente, j'aimerais bien dispatcher, mais soit c'est l'herbe coupée sous les pieds, soit ça part complètement en cacahuète. Je vois pas de quoi tu veux parler. Pas du tout. Toi tu vas faire une recherche informatique avant ou pas du coup? Ben, on peut en faire plusieurs de toute façon, donc on s'en fiche. Ouais. Là je vais faire une recherche, voir s'il y a des affaires qui sont en rapport avec le dossier courant. C'est pas mal. Toi, tu fais une recherche. Toi, Bran, tu veux établir un profil ou tu veux aller voir le mendiant? Ou alors on établit le profil en fonction de sa recherche? Non, mais si on n'a pas les moyens d'établir un profil, on le fait pas. C'était juste... voilà, c'est pour gratuit, non, quoi. Mais... En fait, faut pas lancer des dés. Établir un profil, Bran. Je pense que d'abord, peut-être, la recherche informatique de Clara, dans un premier temps, si elle veut vraiment la faire, sans preuve, elle peut la faire. Ça permettra de déterminer s'ils sont un ou plusieurs. Et dans ce cas-là, ça pourra donner un profil plus précis à Bran et on pourra aller voir le mendiant et retrouver la famille. Allez. Hop. Allez. 2d6 plus 3. Oh, puis vous n'avez pas le choix, je suis le temps. Nous n'avons aucune preuve. Je te fais donc mon 2d6. 1d10 plus. 1d10 plus. J'ai perdu. C'est pas ça, j'ai encore perdu. J'ai pu se tromper de bout de temps. Là. 2d6. Putain, mais c'est pas possible. Tu l'as pété ton jeu de 2d là. Tu l'as fait exprès pour qu'on fasse que des 6, wesh. C'est pas possible. Moi je vais sortir mes dés. Non, mais je vais sortir mes dés. J'y suis pourri. Non, mais je vais plus te croire là. T'en fous de la paix. Non, je vais montrer la caméra, ce sera plus simple. Vas-y. Ouais. Donc alors, là, tu effectues une recherche. Pose l'une des questions, puis lance. Alors, bah, c'était par rapport à la question. Y a-t-il des affaires anciennes en rapport avec le dossier courant? Le MJ te répondra, mais ta recherche n'est pas passée inaperçue ou le dossier est plus complexe que prévu. Comment ça, il est plus complexe que prévu? Ok, il est plus complexe que prévu. Non mais plus complexe que prévu par rapport à nous, mais toi vu que t'as préparé l'avance, c'est bon, ça compte pas. Ah bon? Bah non, mais il faudrait mais que t'es ça pas puisse... t'es pas censé avoir préparé, après j'ai envie de dire. Bah normalement non, PBTA oblige, mais dossier oblige si, alors je ne sais pas, du coup. Bon bah prends pas en compte. Bah si, je vais pas te mettre en marché. On va essayer de complexifier. Non mais c'est bien que ça me fasse mentir peut-être ce que... Donc, y a-t-il des affaires anciennes en rapport avec le dossier courant? Non, voilà, fin du dossier. Ça marche aussi, hein. Oui, il y a un... Mais ça date d'une dizaine d'années. Et c'est un peu tiré par les cheveux. Pendant des guerres rivales d'Henri Nickendorf entre des gangs locaux, il y a eu une fois au chalet, non, pardon, un chef de gang. Alors attendez, putain, je vais vous compliquer l'affaire, vous allez voir.
Déjà, quand on est quand on était simple, putain, on est complètement à l'ouest, quoi. Il y a un chef de gang Altidklar, donc les gangs nordiques, on va dire, enfin, de genre Swedish, Danish et tout ça, qui a été retrouvé, ben pareil, nu et main coupée, accroché à un poteau électrique du quartier. Des hommes, du coup. Et il avait été, ouais, c'était un homme d'âge mûr, etc. Et il avait été établi que il était mort dans la mort dans une guerre de gang avec un gang Irish. Irish. Prenez les notes. Démerdez-vous avec ça. Super. Et Altidklar, c'est nos copains qu'on était allés éclater à la Schmutzput. Non, ça c'est non, mais vous en aviez croisé dans la rue, non loin. Mais après, c'est un type de, en fait, c'est tous les gangs ethniques en provenance de Norvège, Suède, etc. On les a... ils sont catégorisés dans les Altidklar. C'est pas ceux qui nous avaient, qui s'approchaient de nous au moment où il y a eu le wagon de. Si, ils essayaient de récupérer le matos. Ils sont connus pour le pimp de et les courses folles avec des motos tunées et des tout types de véhicules pas possibles. Ça vous avance bien, hein ? Ouais, merci. On va jouer 20 parties en fait, c'est pas possible. Ouais. Oui. Qu'est-ce qu'on fait après ? C'est quoi ton profil, Branislav ? Ah, mais on ne sait pas du coup s'ils étaient plusieurs ou quoi. Ah, mais si, ouais. D'accord. Non, mais lui, il peut avoir. Et lui, de lui-même, hein, il peut avoir écrit un petit profil sur un bout de papier. Hein. Ouais, c'est ouais. Quoi ton profil, du coup, Branislav ? C'est un tueur en série pour toi ? Ouais. Moi, ouais. Pour moi, c'est un tueur en série parce que. Voilà, il a toujours les mêmes personnes. Bon, quoi c'est... Un c'est un walker. Un quoi ? Est-ce que c'est... Oh, pardon, c'est... Je suis du coup, et qu'est-ce qui pourrait coller bien, mais... En tout cas, c'est un homme fort, seul. Ok. Okay. Potentiellement ancien membre de gang Irish. Qui a quelque chose à voir. Alors pourquoi il couperait des mains et il mettrait nu? Est-ce qu'il n'y a pas un truc avec la religion chlamique? Parce que la nudité, ça a un sens. Le dénuement. Et les mains, ouais. Je ne sais pas, les mains, dans la plupart des religions, c'est quand même les voleurs. Hein. Voilà, mais en tout cas, voilà, il est épris de symbolisme. Ah, je marque épris de symbolisme. Tel épris qu'il croyait prendre. C'est vrai que c'est pas évident hein, de faire un profil sans ring comme ça. Oui. Donc homme, hein, ça va être une idée. Ouais, moi je pensais un homme. Ok. Donc potentiellement, je vous donne plus un à quoi à tous les jets en rapport avec. La recherche de mais... ce genre de personnage voilà. Tant qu'on n'a pas établi que... Qu'un truc est faux. Voilà. Ah oui, d'accord, c'est pas à moi de décider si vous êtes dans le juste, en fait. C'est tant qu'il n'y a rien qui vous fait mentir ce profil, quoi. C'est ça. Voilà. Tant qu'il n'y a pas un de ces éléments qui est okay. Faux, on a plus... Partie 9, on découvre le jeu. C'est vrai que moi, je ne l'avais jamais lu encore, cette... Bah, non. Mais je l'avais lu au tout début, mais... Bon, ok. Ok, donc, du coup, on va aller... Toutes ces informations. On va voir le mendiant ou pas, alors qui veut... Bah, du coup... Ouais. Moi, j'étais chaude pour aller revoir le mendiant avec toi. Clara, tu viens ? Allez. Et tu veux pas que, par exemple, tu vas voir le mendiant et j'essaye de retrouver la fille, ou... Non, on se sépare pas. Bah en fait c'est pas ça, c'est que le problème c'est que là tout de suite on n'a pas de piste, que toi t'étais proche du mendiant, à la limite dans ce cas là toi tu vas voir le mendiant et mais le problème c'est que moi tant que Paul, il y a quelqu'un qui voulait tâter le terrain sur place aussi. Je voulais tâter le terrain. Ouais.
Mais après, parce que en tant que folle, déjà qu'on n'est pas super bien accueilli, aller chercher des infos, ça risque d'être un peu compliqué, je pense. Mais tâter le terrain, je trouvais pas ouf sur les questions à poser, quoi. Parce que moi, c'était pour chercher une quelqu'un, tu vois. Ça serait relever les indices. Mais il n'y a que deux questions. Bon, on va voir le mendiant. Allez. Non, mais on fait dans l'ordre. Oui. Non, mais au pire, on peut y aller voir le mendiant et dispatcher à partir de là. De toute façon, ça ouais. Oui, ou faire des flashbacks ou que sais-je. Ok. Ouais. Donc, le mendiant, tu le retrouves dans son espèce d'atelier usine, là. Mais te voyant arriver de loin, tu le vois blanchir à vue de nez, quoi. Il lâche sa clé à molette par terre, il se met à trembler. Je fais un signe un peu d'apaisement. Il guette dans tes yeux la potentielle mauvaise nouvelle, quoi. Mendiant, En fait, tu fais durer, salaud. Ouais. Attends. Avant ça, quand on en a discuté, comme je te disais, avant de lui montrer une photo, tu lui demandes quand même s'il a une photo. Elle traumatise pas. Mais non, mais moi je crois pas que c'est elle. Tu es au courant que nous avons retrouvé un premier corps? Comment ça, un premier? Parce que nous ne savons pas pour l'instant. Coup de boule, allez hop, 6 mois. Attends, on n'arrive pas à être sérieux, c'est terrible. Nous avons peu de temps pour les retrouver. Nous avons besoin de toute l'assistance possible. Mais attends, ta fille a disparu. Ta sœur a disparu hier. Attends, tu me fais du souci. T'as bien... C'est ma sœur. T'enquêtes sur ma sœur. J'enquête sur ta sœur pour la retrouver. Oui. Elle pourrait être disparue pour un millier de raisons. Peut-être être simplement fuguée. Pourquoi tu fais tout de suite un rapprochement avec ces horreurs qui se passent dehors? Ah non, hein. Dis-moi en plus sur elle, est-ce que tu as une photo? Est-ce que... Oui, bien sûr, tu vois qu'il cherche vite dans ses affaires, il sort de son portefeuille une petite photo où il y a sa fratrie, mais assez récente de ce que tu vois de lui-même. Et par contre, oui, il a une jeune femme, pareil, 14 ans, enfin une jeune ado, mais... Assez belle et grande, ressemblant assez physiquement à la personne que tu as retrouvée. T'es sûr que c'est pas elle, mais il y aurait quelque chose dans la taille et un peu la bonne santé physique. Voilà, donc ouais. Est-ce que tu as interrogé ses amis? Pour tout te dire, comment elle est rentrée un peu en rupture avec les groupes qu'elle fréquentait jusqu'alors, et elle nous a fait, je sais pas si c'est une crise d'ado ou quoi, mais avec ses parents, ça a été très compliqué. Et c'est pour ça que je te disais fugue. Moi, je pensais plutôt qu'elle avait fugué, mais juste là, ça commence à faire longtemps et qu'on n'a aucune nouvelle. Alors, je sais que la ville est vaste, c'est peut-être même en est-elle partie, mais. Je pourrais te rediriger vers ses amis, oui, mais je sais qu'ils n'étaient plus en... Enfin, qu'elle s'était disputée avec eux. Quand moi-même, j'ai essayé de les interroger. On pourrait peut-être parler de la personne que t'as vue, si c'est une description physique. Est-ce que toi qui côtoies tout le monde... C'est surtout une machine qui m'entoure. Est-ce que tu as entendu parler? Oui, mais du coup, tu répares les machines des autres aussi, non? Oui, c'est vrai. Est-ce que tu as entendu parler de jeunes qui traînaient en consommant cette drogue, tu sais, qui donne les dents vertes? Tu sais où ils traîneraient? Il y a un spot pour ça? C'est quand même une drogue... Il te ressort le nom, c'est de la fine poulver, mais bon, c'est pas du tout donné à tout le monde ce genre de drogue là. Enfin, c'est pas de la drogue de prolétaire. Enfin, si... non, je connais pas de jeunes
ou de gens d'ici qui se cameraient à ça, en tout cas. D'accord. Au moment où il dit ça, je dois avoir une photo aussi de la défense. Et je la lui présente carrément, je la lui mets sous le nez. Non, il doit prendre peur un moment avant de... tu comprends qu'il craint une fois de plus qu'en fait que vous lui cachiez un truc et que vous lui révéliez que maintenant que sa sœur est morte. Non, mais non, non, non. Et cette jeune fille-là, elle vous parle, horreur, ouais. ça pourrait être une amie. Non, mais il n'y a que le visage qui est certainement boursouflé. Mais... tu sais, la photo vraiment qui a été prise rien que pour qu'on puisse faire une identification de témoin. Et ça pourrait être une amie de votre sœur. Moi, en tout cas, je la connais pas. Elle me dit rien. Je crois jamais l'avoir vue, cette jeune femme. Paix à son âme. Est-ce que vous voulez faire... Non, il n'y a pas de manœuvre autour de ça. Pour non. Débloquer une avancée. Pour parler avec des gens, non, mais c'est pas un suspect. Ouais. Et... Bon. Ouais, du coup, il ne la connaît pas. Et est-ce que... Mince. Est-ce que... Après, oui. Moi aussi, je vais vous filer des... Mince, comment il s'appelle la mafia russe, là. Ah oui. Est-ce que Podolsk pourrait vendre de cette fine... Poulver. Fine poulve. Je préférais Schmutz, moi. Hein. Putain. En tout cas, s'il y a un trafic à Siroze, oui, ils doivent... ils doivent y toucher. Y a personne n'oserait dealer sans leur aval dans l'enceinte du quartier, quoi. Mais ils sont assez regardants, et ça, je saurais leur en remercier malgré tous leurs défauts, du deal auprès des jeunes désœuvrés qu'ils restreignent plutôt, d'ailleurs, habituellement. Ok. Moi, du coup, quand je l'ai vue, elle avait, au niveau de sa tenue vestimentaire, elle avait l'air différente, ou c'était une tenue plutôt classique Classique de Siroze. Ouais, d'accord. Et vous n'avez pas entendu de famille affolée ou des jeunes bougeants? D'autres personnes qui auraient disparu Pas forcément disparu, mais se déplaçant ou se cachant ou cherchant à se cacher. Non, enfin comme ça, ça ne me dit rien. Non. On peut faire une pause 5 minutes? Oui. Pause bio. Oui, c'est l'heure. Eh bien, posons bio alors. Après, on va mettre un coup de pied dans la fourmilière. Non, moi, je pense qu'il faut aller voir Podolsk. Peut-être il pourrait nous dire où c'est qu'on pourrait retrouver. Comme Bidouille, tu pourrais y aller parce que comme c'est tes copains... Wow, putain. Ah oui, c'est vrai, putain. Vous avez fait... Vous en avez enfermé deux, vous en avez descendu, hein. Mais justement, ben voilà, ben allez, on va aller voir ceux qui sont enfermés. Qu'est-ce que t'en penses? J'avoue. À tout de suite. À tout de suite. Ouais, j'espère que ça va pas tout casser.
Production. Oh, ça se boit sans soif, la goudale. Une Allez, petite goudale ambrée en plus. Oui. Ouais. On est en direct, c'est ça, on parle. C'est bon, gens, nous sommes en direct. Ah oh, merde. Oui, on revient. Hein. On digère. Gère. Bah non, on peut y aller. Du coup, le mendiant, il n'a pas l'air d'en savoir bien plus. En tout cas, il nous... Ouais, c'est rare. Si, il nous a dit que... il penchait pour une fugue, puisqu'elle était rentrée en conflit un peu avec sa famille et son groupe d'amis avant de fuir. Vous avez aussi du coup cette photo qui trahit une ressemblance en tout cas de silhouette et de type de personne. Qui conforte mon profil. Et vous avez appris quelques billes sur le fait que c'est pas une drogue courante et qu'en plus... ouais. Ça, c'est pas con, si vous souhaiteriez en savoir un peu plus sur les deals en cours à Siroze, se tourner vers la mafia russe de Podolsk ne serait pas bête. Donc vous n'êtes pas venu pour rien, en fait. Ouais. Donc, quelle est la prochaine étape? Relever les indices par rapport à Siroze. Est-ce que ça marche, du coup, si on enquête dans Siroze pour trouver des gens, en fait, qui... sont vrais ou qui deal à ce niveau-là? Est-ce que relever les indices fonctionne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui semble particulièrement suspect? Oui, la question. Quand tu fais la drogue, on peut la répéter et puis on trouvera. Moi, je vais trouver une bonne raison de. Oui, que quelqu'un relève les indices, s'il vous plaît. Une fois de plus. Bah, c'est à toi, Christa.
Nous on a déjà essayé. Ouais, mais je vais le faire. C'est quoi, c'était 2d6 plus loi? Mais alors. J'ai plus 5. Ouais, c'est plus loi. Alors. Ah voilà! Un 10. Putain. Jamais je chierai. Merci chef. Alléluia! Donc, déjà de base, une preuve. Tu tombes sur un indice compromettant ou un témoignage utile. Ouais, c'est tellement large. Donc ça doit être en interrogeant, je sais pas, c'est quoi, c'est. Bah, peut-être que je tombe sur une gamine ou un gamin même, un gamin. Au détour d'une ruelle, ruelle à cirrhose quoi. Ouais. Ouais. Je sais pas, je pense que j'ai remarqué ses dents peut-être et que j'ai réussi à le coincer quelque part. Ok. Ok, eh bien... Ah ouais, si, ouais, il y avait... Le... Ouais, je sais pas du coup des questions. Ouais, non, c'est par rapport aux questions, mais... Ouais, si, tu tombes sur un indice compromettant ou un témoignage utile, du coup, j'imagine. Bah oui, on va plus dire ça, ouais, ça fait plus sens sur, si vous étiez dans une phase d'interrogatoire dans le quartier. D'accord, ouais, ça me va, ça. Donc, le témoignage particulièrement utile... provenant, du coup, d'un gamin aux dents révélatrices. D'un ado comme tous les autres. Quoi. Tu vois, c'est encore un des jeunes de 14-15 ans qui pourrait nous apprendre plus sur ces jeunes qui arrivent à avoir accès sur ce drone. Bah, il te dit qu'il y a une grande qui lui a filé une dose, quand même quelques-unes, et qu'elle cherchait à ce qu'il rejoigne sa bande à elle. En gros, elle lui offrait un. C'est comme ça qu'elle essayait de la pâter, quoi. Et il est pas sûr parce que ses parents ils vont peut-être avoir un nouveau logement et il pourrait peut-être partir de cirrhose. Mais il a pris la drogue quand même parce que. Parce que c'est cool. Le quotidien, on s'emmerde. Je peux lui poser des questions ou pas? Bien sûr. C'est, t'as une preuve, donc je pense même qu'il t'a décrit la personne qui lui a... Ouais, c'était la question, du coup, à quoi elle ressemblait, cette fille. Et bien sûr, ça va être une description ressemblant en tout point à la petite qu'a déjà vue Branislav. Et elle a l'air de servir de recruteuse à une bande. Et elle dissémine, du coup, de cette drogue en essayant d'appâter des gamins, quoi. Ben bravo. Et elle t'en a dit plus de ce que faisait cette bande et pourquoi elle avait besoin de toi? Bah, a priori, ouais, ils ont besoin de petits soldats, elle m'a dit, parce que... comment dire, on peut pas compter sur les adultes, mais eux, ils avaient mis la main sur des super trucs qui allaient les rendre riches. Et, mais il fallait des soldats pour défendre le butin de guerre, elle m'a dit. Carrément. Et tu devais défendre quoi? Ça, j'en sais rien encore. Mais c'est vrai que je suis plutôt costaud pour mon âge et c'est ce qui semblait lui plaire. Tu cherches des personnes assez fortes. Alors après, tu le regardes, il a pas l'air si costaud. Mais il dit ouais. Et pour le coup, c'est un petit gars. Un petit gars, mais ce que t'appelles un petit gars, c'est quoi? Enfin, 10 ans un petit enfant masculin, en tout cas. C'est pas, c'est ouais. Pas... Mais c'est du même âge, 14 ans ou c'est Non, oui, il a, lui, il a de voir 11 ans, plus d'accord. Jeune. Ah oui, vraiment un petit gars. Et tu devais le rejoindre aussi. Comment il devait te recontacter Il traîne. Et il te décrit un espèce de petit marché, un souk quoi, qu'il y a dans ce cirrhose, dans lequel elle traîne, et c'est là où il était censé lui apporter sa réponse, il comptait aller lui redemander une dose avant de y retourner, en fait. Ouais. Alors, on va faire deux choses. La première, si on te donne quelque chose de mieux que cette merde-là, t'arrêtes d'y toucher et t'accepterais d'y retourner? Tu dois aller la revoir. C'est quoi quelque chose de mieux que la fine pulvère? Vous en avez déjà pris, madame? Non, mais...
Quelque chose de... qui pourrait améliorer ton quotidien ou de tes parents? Vous pourriez aider mes parents à avoir leur appartement? Eh bien, on peut essayer de... d'appuyer leur demande. C'est vrai? Oui. Si vous faites ça, vous jurez? Dis voilà. Quelle enfoirée. Jurer, je peux pas te le jurer parce que. Mais. Oh, mais attendez, non, le salamandre il rigole pas. Moi, j'y retourne pas si vous jurez pas. Le salamandre, tu l'appelles? Bah, elle, elle s'appelle comme ça, la bande. Les salamandres. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Jurer ou jurer pas? Non, je suis désolée, mais. Je peux pas jurer. Bon, ben, je me casse. Oh, elle jure pas. Une petite demande officielle pour pousser un dossier d'aide au logement. Allez, là, non? Ça se fait, ça passe une demande officielle, ça? Ah bah, à fond. Indique, mineur, non? Ok, vas-y, je jure. Je jure, dans ce cas-là. Si c'est, que, si c'est pas... Ouais, je jure. Mais nous, on veut habiter au Kessen District. Non, ça, ça va pas être possible. Oui, alors ça, je te jure de faire une demande pour aider tes parents. Voilà. Est-ce que ça on sait jamais, parce que peut-être Clara est sous loup pour essayer de récupérer un peu d'argent. Bien sûr, j'ai tout proposé. Ok, ok, si je te jure d'appuyer la demande. Putain. Alors, putain, mais je suis con aussi de vous faire enchaîner les... Non, mais c'était pour la forme, une demande officielle. Putain, oui, non, mais c'est pour la forme, points. Ça va. Oui, non, c'est pour moi. Marc. Non, là, si c'est Krista qui lance, ça passe. Hein. Vas-y, vas-y, on attend juste pour le plaisir de faire plein de jeux de dés, alors pas de potentiel. Allez. Alors, quand allez, tu déposes vas-y. Une demande auprès de tes supérieurs pour... Après, d'un juge d'instruction. Ouais, non, c'est plus. Je sais pas. En plus, toi, ça m'arrangerait que plus politique. Quoi. Bah, c'est le juge d'instruction. Là. C'est pas mes supérieurs, ils ont rien à faire. Ouais, c'est un peu sortir de ta juridiction. Ah, bah non, ça, c'est un autre truc. Auprès du juge d'instruction. Pour mettre sur écoute un super questionnaire, le privé, etc. C'est de l'etc. Hein. C'est là-dedans. Oui, c'est dans etc. Oui, c'est sûr. J'ai vu des billets. 8 heures 3. Je te l'aurais essayé. Bon, écoute, tu lui as juré, ça sera un échec patenté. Le pauvre, tu pourras le recroiser dans la misère la plus totale plus tard et t'en mordre les doigts. Oh, bravo. Bravo. En fait, j'essayais de l'appuyer, mais en fait, ça s'est retourné contre lui, c'est ça. La future graine de voyou, ça. Ou un folk prometteur, qui sait. Ça marche aussi dans ce sens. Ouais. Ok, du coup, il est ok pour vous la spotter, hein, pas y retourner et vous indiquer qui c'est avec certitude. Et est-ce que vous voulez faire ça tout de suite ou est-ce que vous vouliez faire d'autres choses? Déjà, on a ça sous le coude s'il y a d'autres trucs. Ouais, et on a une preuve. Eh oui. Une preuve. Vas-y, bah, posez le dossier, j'ai envie de dire. Alors, c'est terrible. Ok. Alors il restait quand même Podols qui... Ah, je t'entends pas, Bine. J'ai dit, je suis sûr que ça marcherait si on pose un dossier maintenant. C'est vraiment plus, puis je saurais pas quoi vous raconter, puis ce serait parfait. Eh bien, Podols con, ouais. Ça va être bien. Non, mais c'était dans les choix potentiels. Ouais, il y avait. Effectivement, on peut aller faire au pire chanter les gens qu'on a foutu en tôle. Alors après, tu sais que tu peux les faire chanter, mais tu savais pas ce qu'ils avaient dit sur tes exactions, parce que toi, tu es potentiellement sous le coup d'une enquête du SAD pour un usage disproportionné de la force entraînant la mort. Et du coup, tu as deux contrevenants qui seraient aptes à témoigner de ta bavure. J'ai rien bavé du tout. Ouais. Donc en tout cas, ça rentrerait dans les enjeux si tu échoues à
dans tes interactions avec eux. T'inquiète, ça va passer. Vraiment, ça va initier tout seul. J'allais dire, sinon vous cherchez d'autres membres de Podolsk que dans Siroseux. Ouais. Ouais, bon, faut les choper, tu vois. C'est... Non, mais on n'a pas le temps. Tu vas les trouver vite, il y a un panneau et tout. Ah ouais. Un panneau avec un marteau et une faucille comme ça. Ouais, bon, bonjour, j'aimerais des informations. C'est un peu... Non, mais sinon, on va direct à la... sur le souk, là. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez ? On Zouk, prend les trois autres et on y va. Et on fait un... Mmh. On fait un repérage. Une descente. Alors, il y a le petit mot filature aussi qui peut être intéressant. Ouais. Eh bien... Le cas où... parce que oui, bien sûr, du coup, la jeune femme... Bah oui, vous utilisez le pauvre garçon qui s'appelle... Théodore. Ah ben oui, en plus. Théodore ? Oui. Et il est tout mignon, maintenant, qu'il va se faire... du coup, vous êtes planqué dans le souk, dans les, je sais pas, entre différents étals, quoi. Il y a pas mal de monde en ce jour, comme dans tous les jours, même si sur les étals il n'y a pas grand chose de valeur. Hein. Après, par grand froid, c'est un peu moins glauque et moins puant que lors des canicules. En tout cas, les victuailles vendues n'ont pas tendance à attirer autant de mouches en cette saison. Bref, c'est un peu une cour des miracles ambulante. Hein, ici, passe tout un tas de business, tous plus improbables que les autres, des pièces détachées de tout ce que tu peux imaginer, etc. Du coup, l'enfant, Théodore, vous guide. Et il finit par vous indiquer une jeune femme encapuchée qui se déplace d'un pas assez alerte, quoi, et qui a l'air assez flippée. Bref, et du coup, il se retourne vers toi, Christa, et dit: qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant, madame? Qu'est-ce que je fasse maintenant, madame? Écoute, maintenant qu'on sait qui c'est, t'inquiète pas, tu peux y aller. T'as pas besoin de t'y confronter une nouvelle fois. Bon, merci encore pour l'aide. Je suis très content de bientôt habiter dans une vraie maison. Avec mes 8 frères et sœurs. Et ma maman très mal, très très malade. Bravo. En fait, la maman, elle va mourir et les 8 autres qui vont se retrouver complètement à la rue. Alors, sans possibilité d'avoir. Qu'est-ce qu'on alors fait? Melina est revendue. Et Christa, t'a précisé qu'elle avait pas de maison à elle. De quoi? Elle-même, tu veux dire, n'a pas de maison. Elle-même, ouais. Elle habite. Oui, c'est pour ça, en fait, elle a fait passer son dossier avant. Ouais, bon sang. Ouais. Alors, que fait-on de cette jeune femme? Bon, les gars, on l'encercle, on la chauffe. Ouais, on essaye de l'interpeller, non? Donc, c'est interpellation oui, plutôt que filature. Ah, peut-être, on la file, ouais. Chef. Moi, je serais pour déjà encercler de manière à couvrir toutes les zones. Si jamais elle remarque quelque chose, de ne pas la laisser s'enfuir dans un coin qu'on ne connaîtrait pas. Bram, toi, tu connais mieux les lieux, donc peut-être te positionner là où elle peut potentiellement nous perdre le plus facilement. Et nous, on prendra les deux autres angles. Et déjà de la suivre pour savoir ce qu'elle fait. Sachant que nos moyens de communication fonctionnent ici. Hein, j'ai peur. C'est vrai. Donc on va rester en communication permanente. Qui porte le sac à dos? Avantage technologique. Ouais, qui porte le sac à dos? Samret, ne t'éloigne pas trop. Ah oui, il y a les trois autres. Donc en fait, oui, on tourne en étoile, quoi. Ok.
Équipe de deux. Bran et Sebret, ensemble. Bobby et Clara, ensemble. Bobby. Là, c'est au choix, du coup. Si vous cherchez à loger un peu le gang ou à savoir où est-ce qu'elle pourrait aller ensuite ou ce que sont ses activités, je vous propose une filature, donc plus rue. Sinon, si vous voulez l'interpeller, ce sera un survivre dans la jungle, prendre le contrôle d'une situation. Survivre dans la jungle, moi, ça me plairait bien parce que je pourrais enfin m'utiliser toujours sur le fil du rasoir. Ok. Non, mais bon. Parce que le problème, c'est que si elle est plantée là toute la journée, ça veut dire qu'on va perdre un jour à attendre qu'elle bouge sans être sûr que. Après, on peut toujours attendre, c'est-à-dire être en planque pendant genre 3 heures pour voir s'il y a d'autres personnes qui viennent, etc., pour voir le genre de rencontre qu'elle fait. Et à partir de là, si jamais, en fonction de ce qu'on a eu comme info à ce moment-là, on l'interpelle. Moi, je vais vous demander une filature, hein, parce que. Filature? En gros, tu la suis ou tu même si tu restes à proximité, ça, en fait, le 7 plus, ou même ouais, tu parviens à filer ta cible, enfin tu découvres des informations importantes sur elle en chemin. Tu gagnes plus 1 sur ton prochain jet en rapport avec l'affaire. Bon, alors moi, ce que je propose, c'est qu'il y ait quelqu'un qui lance la filature et vous me réservez le survivant dans la jungle après avec le qui foire, plus pour 3. La foirade, ok. Bah, moi, je pense que peut-être. Celle qui est la plus à même de d'être discrète, c'est plutôt Clara, non? Parce que moi, je suis un peu connu. Hein. Discret. Disons que la rue n'a pas de secret pour toi. C'est pas faux. En plus, maintenant, je pèse. Les gens, ils savent qui je suis. Voilà. Eh bien, allez. Allez, deux filons. Plus rue, filature. Eh bien, allez, tu peux le faire. Oui. Attends, t'as plus 2 là. Quand je regarde la totalité des gestes, c'est pas possible. Filature. Non, rue. Oh, j'ai plus 2 en rue. Plus rue, tu vas bien faire. Allez. Ouais. Alors, 2 des 5. Un petit 5, ouais. Je vais faire 4. plus 2, 2 des 6. 9. C'est pas ouf, hein? 9 ça avec va. Un plus 2, quoi. Allez. Alors, sur un 7-9, quelqu'un se rend compte de ton petit manège, le MJ avance l'horloge appropriée, mais de toute façon, tu parviens à filer ta cible et découvres des informations importantes sur elle en chemin. Alors, pendant votre planque, et du coup, surtout Clara, qui s'est, au moment où la petite est partie un peu entre les étals, tu l'as suivie, portant le moins sur toi, comment dire, l'apparence et la démarche de Falk, hein. À différence de tes collègues qui sont un peu trop rigides, peut-être. Tu l'as vu tenter d'approcher plusieurs enfants, remettant à certains, a priori, des doses. Et puis, elle a fini par revenir assez proche de votre Algeco blindé, pour... s'enfoncer dans l'espèce de cratère à côté et finir par rentrer dans l'une des grandes canalisations d'égouts qui s'y déversent. Et au moment où elle escaladait cette canalisation, quoi, tu as vu une main effilée sortir pour l'aider à grimper. A priori, il y a d'autres enfants qui s'y cachent. Okay. Donc, ouais, tu sais qu'a priori, là, il y a une bande d'enfants qui se cachent dans les égouts proches de chez nous, quoi. De chez vous. D'accord. Eh bien, je vais en référer à ma chef. Aux autorités compétentes. C'est combien une bande? T'as vu des silhouettes dans l'ombre? Ouais, j'ai pas vu énormément de choses. Ce que j'aimerais mieux faire, à la limite... C'est que j'imagine que là, on est en fin de journée, après tout ce qu'il y a eu dans cette journée-là. Ouais. Et que on prendrait justement
une de mes équipes à disposition pour surveiller les lieux le reste de la soirée et la nuit pour récolter des informations sur les va-et-vient de ces éléments. Ok. Voir, essayer de positionner à différents endroits si jamais il y a d'autres, si ça débouche ailleurs en fait. Qui s'aventure même à l'intérieur, ton équipe, là, qui fasse un repérage. Non, non, pas à l'intérieur, mais si on sait à peu près comment sont foutus les conduits, d'avoir des hommes positionnés à des endroits différents, si jamais ils se déplaçaient et sortaient par d'autres. Je sais pas s'ils sortiraient vraiment par d'autres endroits, vu que si elle est revenue jusque-là, c'est que c'est certainement assez proche de leur QG. Donc ça reviendrait enfin, un petit QG, donc, à avoir la compétence non. Surveillance. Surveillance, ouais. Tu disposes d'une équipe de flics dotée d'une réserve, d'un stress et d'une compétence. Ok, coche une case de stress pour épauler un PJ sur une manœuvre pour laquelle l'aide de ton équipe s'avère utile et qui rentre dans son champ de compétences. Donc ça vous est, ça ne va pas vous apporter vraiment d'infos supplémentaires, mais une aide à une manœuvre qui va venir de votre part. En fait, ce que, pourquoi on l'avait utilisé précédemment, et ce que moi je comprends là, c'est que là, si on la met en surveillance, ils vont pas nous donner d'infos précises au moment où on va le faire, mais par contre, c'est... C'est pas faux. Les infos qu'ils vont récolter, en fait, ça justifie le plus seul qui va aider, quoi. Ce qu'on avait fait précédemment pour la demande officielle, je crois. Mais alors, c'est quoi qui va suivre? Est-ce que il faut que je vous révèle une info quand même et d'une compétence parmi la liste suivante. Je sais pas quelle de ton équipe s'est et qui rentre dans son champ de compétences. Ouais, c'est ça. Je pense que la suivante, en fait, c'était survivre dans la jungle pour faire une interpellation de la fille ou d'un groupe qui sort en fonction justement de ce qu'ils auraient vu. Bon, après, le problème, c'est que si on fait ça, ça me fait griller mon truc, quoi. J'en ai plus 3, putain. Je ne sais, en fait. Non. Moi, je sais. Attends. On peut toujours faire survivre dans la jungle pour interpeller cette fille, mais eux, ils peuvent nous donner des infos sur, en allant un petit peu plus loin, en fait, ils auraient peut-être vu d'autres enfants se discuter avec d'autres, racoleuses, entre guillemets. Bon, pas racoleuses, c'est quoi le mot? Des gens qui vont relever des jambes pour essayer de... Je sais pas le mot non plus, il est trop tard. Des recruteurs. Ouais. C'est pas trop. Bon, c'est pas grave, t'as compris l'idée. Et qui pourraient nous aider à ce moment-là, quoi. Qui pourraient nous servir, en fait, par la suite, ou toi te donner, en fait, une bille pour nous permettre de remettre... Ou alors on oublie complètement le principe qu'on met une équipe de surveillance dessus. Bah non, c'est gratuit pour toi par une fois par scénar, donc il faut le faire simplement. Mais c'est l'utilité. Il faut que vous choisissiez une manœuvre sur laquelle ça va vous aider. Donc si ça pourrait être un relevé les indices supplémentaires. Et là, moi, ça va me permettre de vous parler de ce qu'ils ont vu. Mais ah ben oui, relevé les indices. Avant que vous ayez fait une nouvelle manœuvre, quoi. Enfin. D'ailleurs, tout à l'heure, je t'ai pas posé la question quand j'ai fait relever les indices. J'avais fait un 10 plus et j'avais une question. Ah, bon, c'est pas grave. Bah si, vas-y, pose. Mais je peux rappeler plus sur ce que c'était. Merde. Bon, putain, c'est laborieux. Mais ça, du coup, on met l'équipe de surveillance et en fait, on va faire un relever les indices par rapport à ce qu'ils nous rapportent comme information au niveau de ces égouts. Point de stress. Ok. Ouais. Ça te va? Oui, oui, allons-y. Tu sais, il faut. Genre l'un, c'est ça? Ben oui, plus ou moins. Même si. Je crois que jamais autant de CV. Oh putain. Oh, non, attends. Non, mais non, Rasco, ça me fait un 7-9 en fait.
J'ai cramé le stress. Donc c'est un plus un. Non, c'est pas un plus un. Aider un PJ, c'est un. Attends, je me confonds toujours toujours les Oui, joueurs. ça augmente d'un niveau. Ça augmente d'un cran, hein. Oui, donc c'est ça, c'est un 7-9 en fait. Ah, par contre, il faut répartir 2 points de stress. Oh là là, mais Bah, entre toi et toi. C'est ça. Vas-y, bah, je vais péter un plomb. Hein. Tu veux pas que je pète un plomb? Non, non, il me reste. Il me Sinon, elle reste. rentre, elle bute tout le monde, hein, Clara. Autant, N'en hein. parle plus. Christophe, du coup, c'est moi Non, qui vais péter les si plombs. vous répartissez un stress avec Clara, Hein? elle a un de péter un plomb. Ouais. Ben On pareil. va faire une descente pour que. De toute façon, j'ai l'impression qu'on s'y dirige doucement. Du coup, tu as une équipe qui a surveillé la nuit. Peut-être as-tu Et on a une chapeauté le preuve. tout quand même. Ah oui, une nouvelle preuve. Vous avez deux preuves, vous allez avoir Deux huit preuves. preuves, puis pas comprendre ce que vous êtes, c'est parfait. S'il y a une surveillance nocturne et au long cours et un peu voilà comment dire de cartographie de potentiel du réseau au départ de ce tuyau qui est à côté de votre Algéco blindé. Il y a effectivement une des principales conduites qui est pourtant désaffectée, car bah, elle finit dans le vide, quoi. Qui trace quasiment tout droit jusqu'à Reinickendorf, donc le quartier plein nord-ouest. Non. Ah oui. Et du coup, vous y avez vu, enfin, ton équipe ou l'un de vous qui chapeautait l'ensemble. Enfin, toi, Christophe, vu que c'est toi qui as lancé la manœuvre, avait assisté à un échange de biens entre des gens qui, de manière certaine, ne venaient pas de Cyrose, car ils étaient habillés avec des treillis et un peu comme des militaires, hein, et qui sont venus échanger avec les enfants qui sont sortis en nombre du conduit de d'égout. Ils ont fait un échange de matos. Il y a clairement eu un deal matériel contre quelque chose d'autre entre un groupe de militaires et ses enfants. Attifé n'importe comment et a priori, vous avez deviné pourtant dans leurs mains des armes assez évoluées en termes de technologie. Voilà, C'est c'est ce ce qui s'est qu'ils ont passé récupéré? pendant la nuit. Non, ils les avaient déjà. Et ce que les enfants passaient aux militaires avait l'air assez volumineux, alors que les militaires eux, payaient en des petits sachets ou des petits sacs. Alors attends, les gosses sont armés avec des armes hautement technologiques et ils Ouais. donnent des trucs volumineux aux militaires et les militaires leur donnent de la drogue, c'est ça? Ouais, en gros. Ok, en gros, ok. Au sortir de l'égout. Ok, Que donc vous ces savez gosses sont manier à Reinickendorf. armés et. Là, je fais des grands traits dans tous les sens. Vous avez pris des notes, hein, Non. 33-13, de toute façon, c'est compliqué ce soir. Dites, alors. Le lendemain matin. On va aller voir les militaires. D'ailleurs, on n'a pas écopé la merde. Ah putain, c'est vrai ça? Non, mais on fait pas ça, on fait plus. Là, il Non, était c'est trop déjà dur. situé. Mais déjà, ça implique que, oui, que le quartier soit pas stipulé dans le dossier. C'est particulier, quand même. Bref. Bon, bref, Je vous ok. sens dubitatif, tous, non? Alors, des militaires, il y avait une histoire avec des militaires à un moment donné. Non Ça s'embrouille, moi, dans ma Et tête. du coup, on peut pas faire Il y une avait. petite recherche sur les Si! salamandres? Attends, Velda a il y avait. demandé. Oui. Velda, quelle. Bah, qu'est-ce qu'il y Enfin, a? Est-ce attends, qu'il y a ces des gosses, ils se dossiers sont sur les pas fait ces tatous de salamandres? toute. Vas-y. Oui. Ah non, tu voulais pas jeter les dés, ça? Moi, je Tu veux veux que bien, je moi. les C'est Non, plus mais non, mais preuve, c'est on en a censé deux nous des aider preuves, remarque. normalement. Hein. Ouais, vous avez deux preuves là. Oh là là, 2d6 plus 2. Je vais faire un 6 au moins. Elle change, je vais faire Un jaune 4, 1 plus 1 plus 2.
Oui, aïe, aïe, 13. Oh, 13. Putain. J'ai tout donné. MJ te fournira une réponse utile et détaillée. T'es alors, content. Quelles étaient tes questions, par contre? Ta question. Qui peut ne pas être dans celle-là. Je veux juste une question à laquelle répondre. Au point où on en est. Ben en fait, ce que je vais rechercher, c'est toutes les affaires et les liens, les affaires avec la salamandre, le gang de la salamandre, et les liens qu'ils peuvent avoir avec d'autres gangs ou sociétés. Je sais pas, vous voyez autre chose ? Utile et détaillée. Là, c'est là que tu vois que la question n'a rien à voir avec l'intrigue. Et bah, que tu pêches. T'es juste à côté. Juste d'où Veldal sait tout ça. La salamandre est un gang qui a été tout nouvellement référencé. Donc un gang qui vient de naître, a priori. Qui n'a vu aucun de ses membres arrêté. Donc il n'existe dans les fichiers que par... témoignages et de membres de gangs potentiellement rivaux, et surtout d'un gang Irish avec lequel il serait en guerre, ou en tout cas sans être en guerre parce qu'il ne ferait pas le poids, qu'il aurait volé des matériaux. Ce gang Irish étant spécialisé dans l'armement haute tech. Ah bah, ça sera un groupe. Bon, bah, mon profilage, il tombe à l'eau, alors. Complet. Nul. Flair de flic, ouais. Nul. Ouais, d'ailleurs, ça on n'a toujours... pas utilisé une seule fois ce puceau. Bah non, c'est vrai, d'ailleurs. Putain, on va aller se coucher, de toute façon, je pense, là. Du coup... Non, ça y est, on commence à avoir une petite idée, là. Ah bah oui. Du coup, j'ai pas tilté ce qu'il t'a dit. Ah oui, il me semblait aussi. C'est une équipe, c'est un nouveau gang qui vient d'arriver, qui a fauché certainement des armes, qui est en guerre contre un groupe d'Irish, et on peut inférer qu'il leur a volé des armes. Oui, a priori. Les gamins auraient volé des armes high-tech à un gang Irish, qui aurait peut-être tué certains de leurs membres. En représailles. Ça serait à quoi ça ressemble pour l'instant, mais que faites-vous de tout cela? Et il y avait déjà eu le vieux meurtre d'il y a 10 ans aussi, c'était contre des Irish aussi. Donc il nous faut retrouver l'Irish, quoi. Les Irish. Oui. Parce que du coup, c'est plus un homme seul. Non. Tu vois, j'ai plus de fer que toi. Je suis pas moi, j'ai pas eu mon concours, moi, alors. Ok. Que fait-on? Vous rendez l'affaire et puis vous laissez intervenir un groupe d'intervention. Quoi, c'est une bonne idée? On a déjà deux. De toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de vrai, plus? En parce vrai... qu'en soi, ça nous concerne pas personnellement, nous, après. Pour avancer l'intrigue. Bah si, il faudrait retrouver la... Si. De la police ou pas, bordel? Non, mais ce qu'on oui, peut faire, c'est déjà... De jeu, là. Est-ce que c'est pas intéressant d'arrêter le gang qui deal de la drogue, si on est des policiers? Je pense que la première chose, c'est de se dire on va arrêter le gang qui, qui vend de la drogue, et ça sécurisera quand même un peu ses roses, et après, peut-être, on peut bien, interroger mais... l'autre dent verte, là, et lui dire... voilà, qui c'est le chef des Irish, et puis on va l'interroger, gentiment. Est-ce que, concrètement, vu que Rasko cadre un peu par rapport aux intrigues de chacun, sauf si vous voulez essayer de lier le truc, mais est-ce que ça a vraiment un lien avec tout le reste qu'on veut faire avancer pour clôturer à 10 sessions? Et donc, on clôt le dossier pour résumer ça sur un seul jet? Ou est-ce qu'on fait vraiment tout ça?
C'est ça la question. Je parle par rapport au jeu en lui-même, quoi. Est-ce que ça va nous apporter quelque chose en termes de jeu et d'avancer sur l'épisode et les quelques dizaines, plusieurs dizaines de minutes qui nous restent? Ça pourrait être une occasion pour Branislav de briller, mais on peut effectivement... non, mais pas forcément. Ça peut être réglé de toutes les manières. Après, il est déjà 23h20 et je sens que... Je sais pas comment on pourrait... Comment dire, refaire, c'est pour ça aussi, avancer le schmilblick sur vos arcs perso en sus de cela. En sus. Non, mais peut-être après les gens qu'on arrête, parce que quand même la question c'est est-ce qu'il peut y avoir un lien avec ton affaire au final? Est-ce qu'il n'y a pas eu des disparitions d'enfants dans ton affaire? La mienne? Ouais. Bah, apparemment, c'est pas la même chose. Là, c'était des enfants qui étaient... C'est d'où la question de l'agression sexuelle. C'était des enfants qui étaient prostitués, grosso modo. Quoi. Pour l'instant, les médias font leur chou gras du lien entre les affaires. Mais a priori, par rapport à mon arc, il n'y a pas de rapport. Mais et toi, je ne vois pas trop non plus, sauf par rapport à Cyrose. C'est pour ça que, est-ce que tout ça, ça peut être résolu sur un seul jet, ou est-ce que... Par dépit, c'est horrible. Merde. Mais non, mais toi, t'es fatigué, t'en peux plus, et du coup, je vois pas... Non, autant, non, mais... autant c'est intéressant, c'est pas la question, mais est-ce que, sur le temps qui reste sur la campagne, est-ce que ça vaut le coup qu'on aille complètement à fond là-dessus? Alors, après, moi, je dis ça, je dis rien. Si vous voulez y aller, on y va, y a pas de problème. On pourrait rédiger rapport, hein, si vous voulez. Bidouille. On t'entend pas. On rédige le rapport. On t'entend plus de tout. Ah, putain. Moi, je suis pour... Après, on n'est pas obligé de peut-être rédiger le rapport, mais faire... on peut dire, ben voilà, ce qu'on fait, c'est une arrestation. Moi, j'ai bien envie d'appeler les médias et faire en sorte que l'arrestation elle soit un petit peu médiatisée, qu'on... On redore notre blason et après on la fait parler. Peut-être on peut le faire en macro, mais distinguer les étapes, okay. Non, qu'est-ce que... Faire, mais est-ce qu'on le fait? On peut faire ça, mais est-ce qu'on le fait en clôturant le dossier ou est-ce qu'on fait des GD pour chacun de ces trucs, non, sachant qu'il risque d'y avoir des... sachant qu'il risque d'y avoir des 6 mois et Rasko qui est perdu, quoi. Ah, c'est pas que je suis perdu, je sais pas, je... Ouais, c'est... C'est la manière dont ça avance. Par exemple, tu vois, là, bon, je roule en carte sur table. J'avais prévu d'avancer le truc, que le doute plane sur un lien potentiel avec les affaires qui, toi, t'intéressaient, de disparition d'enfants et tout ça. Mais la manière dont, en fait, les indices et les preuves surgissent, quoi, j'arrive pas trop à maintenir un doute. Après, tout d'un coup, il y a une preuve qui déballe et du coup, il faut que je dise la preuve. Et du coup, là, tu vois, par exemple, Stéphane fait une recherche scientifique qui marche à 13. Du coup, réponse claire et détaillée. Bon, réponse claire et détaillée. Et du coup, voilà. Tu vois, ouais. je dis que je découvre un peu et j'essaye de... Mais comment? Donc, faut qu'on identifie les enjeux. Là, l'enjeu, en fait... vous êtes plutôt dans le juste au niveau de l'affaire, mais à rédiger son rapport à la toute fin pourra révéler qu'en fait vous êtes planté, vous avez raté un truc. Par contre, là, il y a un enjeu autour de Branislav qui veut redorer son blason, et du coup, il faut faire un jet autour de ça, je pense. Mmh. Du coup, il y a une tentative du coup, de quoi? D'arrestation du gang d'enfants pour arrêter le trafic. Et après, il y aura une enquête qui en découlera sur qui a été l'assassin de l'un d'entre eux. Un peu. Ça pourrait être autour de rédiger son rapport. Donc là, ça va plus être sur sauver ses enfants d'eux-mêmes, en gros. Qu'est-ce que c'est comme manœuvre, ça? Ça va être survivre dans la jungle, mais je vais même pas pouvoir le faire. Non, ça, il faut que ce soit Stéphane, quoi qu'il arrive, qui le jette. Ben non, parce que, en fait, quoi, tu peux être... Moi je ne suis pas obligé d'être à la manœuvre. Ce que je fais, c'est que moi, j'appelle les médias. Son intention, moi, en fait, ce que je vais faire, c'est parler aux médias. Après, ça va bien marcher ou pas bien marcher. Mais c'est plus...
C'est plus me faire reconnaître un petit peu, continuer à s'implanter et avoir être la figure de proue à la fois de la police et de Zeroz. Ouais, mais le jet de dés dans ce cas-là, c'est le fait de parler aux médias qui vont faire que. Qui va faire que. Si il appelle les médias, ça peut être la manière dont s'est passée l'intervention, quoi. C'est-à-dire que les médias sont là avant. Et puis, il fait les médias avant. Voilà. Ce qu'ils vont voir et ce dont ils vont être témoins va dépendre de ton survie dans la jungle, cher Laflis, maintenant. Alors attends, du coup, ça fait que survie dans la jungle, c'est plus rue, donc c'est 1. Et j'ai toujours sur le fil du rasoir qui a plus 1. Le reste, on a utilisé. Oh, du coup, maintenant, j'ai comme plus 2, en fait. Déception, on recommence. Bon, le son, mais je ne le fais pas, moi. C'est quoi, j'ai fait donc... Mais j'ai peur de jeter les dés, maintenant. Oh, putain. Hé, hey, j'ai la valise. Il est parfait. Bon. Bah, je suis pas prêt de devenir une star, moi, avec tout ça. Je sais pas si je vais pas vous laisser tomber, en fait. 4. Bah, surtout deux critiques. Les critiques, ça existe pas. Mais, là, ça compte comme un critique. du coup, alors que vous rentrez... Ils sont armés, remarque, hein, peut-être. Et, ouais, et ils sont armés de d'armes qui dépassent largement vos matériaux personnels. À savoir que ces gamins, ils ont volé aux Irish des armes automatiques à munitions intelligentes qui peuvent contourner les couverts, traverser certains blindages. Mon Dieu. Et du coup, je pense que à l'assaut, en rentrant à l'assaut, enfin, au début, vous êtes peut-être pas pris la mesure de la menace et vous vous êtes invité à l'intérieur du dédale de canalisation. Et le pauvre André, à quelques mois de la retraite, va trouver la mort. Une balle d'enfant. Ça te fait rire, ça te fait rire. C'est pas drôle, c'est pas drôle. Mon Dieu. Et vous-même allez devoir battre en retraite de manière précipitée face à ce déluge de feu qui dépasse largement votre arsenal personnel. Et cela va déclencher une nouvelle et dernière manœuvre, cher Alexis, à savoir un prendre d'assaut. Un peu de plus force de ta part. Puisque vous allez avoir le renfort de... Au début, les médias relayant un peu l'anarchie, on pense avoir affaire à un gang qui enlèverait des enfants. Enfin, personne n'a rien compris. Simplement, les politiques dépêchent tous les moyens possibles pour régler cette affaire. Vous êtes un peu dépassé. Vous vous retrouvez avec des groupes d'intervention et tu nous fais un 7-9. Donc quand tu mènes un assaut sur une position tenue par des criminels, choisis dans la liste ci-dessous une option. Ah oui, puis lance. C'était laquelle là, l'option que tu avais choisie, cher Laflis? Déjà la dernière, c'est pas possible. Quoique. La réalité, si, ouais, enfin, je sais pas, comme tu veux. Ah, si, peut-être l'opération passe inaperçue auprès des médias et des milieux criminels. Ça pourrait être à l'option que tu as choisie et se réalise. L'MJ choisit une option, la liste, dans le contraire, se réalise. Tu peux exclure des options. Une option de son choix. 1. L'équipe d'intervention des super-héros, l'opération permet d'avancer l'enquête. Donc, celle que j'exclus, c'est l'opération permet d'avancer dans l'enquête, que tu peux pas utiliser. Moi, j'ai bien envie de me prendre l'opération passe inaperçue auprès des médias et des milieux criminels parce que je pense qu'il y a peut-être beaucoup d'enfants qui vont mourir. Oh, merde. Mais quelle horreur. Oui, mais en même temps, c'est la réalité du truc, quoi. Et ok. Donc, les médias n'auront pas la pleine... Les médias n'auront pas l'info sur ça, en fait. Du moins que ce soit... Voilà. Okay. Donc c'est une scène de guerre dans les égouts, quoi, avec un gang d'enfants armés jusqu'aux dents en face, à laquelle vous allez participer, hein, les uns les autres. Bien sûr. Ah bah il y aura un nouveau blouson à récupérer, cher Branislav, celui d'André. Ouais. J'y pense, c'est vachement moins stylé, mais...
Il doit être un peu étroit, non, pour moi. Bon. Ça passe. Il faut qu'il y ait des trous de balles maintenant. Alors, moi, il faut que je choisisse une option qui se réalise. Et tu vas... Ah, donc, je peux pas dire que ça vous permet pas d'avancer dans l'enquête. Bah oui, donc on l'a dit, il y a des dégâts collatéraux. Donc, même si ça se sait pas vraiment dans les médias, vous-même allez rester marqué par cette scène quoi, d'assaut. Ouais, pour sauver vos vies, hein, même, vous êtes obligé de tirer sur des enfants. Des enfants. Mais je pense que je vous ai tous traumatisés. Ah, il te reste un petit jet à savoir rédiger ton rapport. Ah, tu voulais lancer les dés, hein. Plus, je lance une fois les dés. Et là, ça va être l'échec total. En fait, vous avez tout faux. Vous avez bien affaire à un tueur en série. Ça n'a rien à voir, tout ce bordel. Alors, c'est plus... Pourquoi? Donc, c'est plus deux? Oui. Vos deux preuves. Sept. Donc, quand tu boucles une affaire et que tu rédiges ton rapport officiel, tu choisis une seule option. Le dossier est solide, le suspect devrait être condamné. Toi et tes hommes n'avaient commis aucune à la lecture du rapport, toi et tes hommes pouvaient prendre quelques jours de repos bien mérités. Ou toi et tes hommes gagnaient en expérience. Oh. On prend l'XP, histoire ouais. Qu'on voilà. On est au niveau pour... Ouais, allez. Ok, niveau. Ok, vous prenez un XP. Magnifique. Et ben, c'était l'épisode 9 de Berlin 18. je sais toujours pas faire. Hein. Voilà. Est-ce que j'ai pris de l'XP avec des trucs illégaux, moi, du coup? Qu'est-ce que t'as fait d'illégal? Bon, j'ai tué. Oui. Ah, oui, tu as tué quelqu'un, d'accord. Oui. Ouais, oui. Non, je sais pas. Ouais. Oui, il bien sûr, oui, 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 oui. Christa, es-tu allée à l'encontre des ordres? Non. Non, j'ai pas eu d'ordre. Parce que ton arc personnel a avancé. Non. Malgré tout cela, non. Pranislav, tu n'as pas pété de câble? Non. Ton arc personnel a-t-il progressé? Un peu. Un peu. Quand même. Ouais. Allez, je prends alors. Oui. Ouais. Bon. Donc je prends un plus en politique, tiens, parce que c'est ça maintenant. Moi je vais prendre. Ouais, je crois que je vais faire pareil. Parce que mes manœuvres à moi. Voilà. Manœuvre d'une autre réputation, j'ai trop la flemme en fait. Quoi qu'à part, il y a les trucs du ripou qu'il n'a pas pris peut-être. Le vieux singe aussi, ça peut être pratique. Mm. Qu'est-ce qu'on se dit là? Je sais pas moi. Comment... S'il faut qu'il se passe un truc de fou la prochaine fois. Une ellipse peut-être. Parce qu'on... Bon, Bran, il a des enjeux tels que c'est. Il faudrait une campagne en fait pour devenir Falfour à la place du Falfour. C'est ça. Un peu ça. Je ne sais. Après. Fait une ellipse, t'es devenu Falfour, et puis voilà. Ah oui, 10 ans plus tard. Moi je suis mort. Voilà, ça se passe. Non, toi t'es procureur général. Non, maire de Berlin. Oh mon dieu. Non, mais décidément, j'arrive pas à m'en dépatouiller. Enfin, c'est pas du tout naturel pour moi tout ça. De jongler avec. Les différents niveaux de jeu. Parce que là, on est d'accord, hein, on est quand même face à des manœuvres qui sont normalement appropriées à l'enquête. Quoi. Ouais. Donc on sort du champ vide commissariat, etc., qui est vendu. Ouais. J'ai l'impression qu'on a la même discussion à chaque sortie
Oui. De scénario alors qu'on joue pas forcément les mêmes champs. Ben, on essaie d'explorer, mais sans arriver à la proposition initiale, quoi. Bah ouais, mais moi je suis aussi bien conscient que je dois pas être très organisé ou pas comme il faut. Enfin, que ça me vient pas naturellement. Pas du tout comment utiliser les manœuvres sur la ligne de tous les jours. Ouais. Non, mais je sais aujourd'hui, pas. Aujourd'hui, ça aurait été enfin, même là ouais, pour une enquête. Bon, aussi après, elle se déroule, mais. C'est compliqué. Ou alors, si, il faut utiliser comme tu disais, avoir la moitié du dossier déjà rempli pour pas rester sur. On l'ajoute trop enquête. Au préalable, il oui, faut jamais arriver sur une situation vierge, ça. Enfin, ouais, c'est comme bon. Si tu héritais le dossier de d'autres flics qui étaient passés avant, quoi. Ouais. Peut-être, hein, mais je sais pas. Mmh. C'est compliqué. Ouais. Dubitatif. Ma foi, on va pas se prendre la tête, hein, de toute façon, tant que c'est pas pénible, mais c'est juste saccadé. Il a pas dit tant qu'on s'amusait, juste tant que c'est pas pénible. Non, mais... entre nous et tout, non, mais tu vois, ça met pas des gros malaises ou des gros blancs chelous, oui. Ou ça rien. Ou... Bon, c'est juste le constat que. Ouais. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que finalement, ça serait, ce qui serait idéal, c'est que tu aies une version un peu macro de l'enquête. C'est-à-dire mm-hmm. que quand tu fais une enquête, globalement, t'as, finalement, ce qu'on disait à la fin, c'est que tu vas faire une manœuvre et que la manœuvre, elle va te globaliser toute une partie de ton enquête. Mais seulement, les réponses là que tu as sur les manœuvres, elles sont trop courtes pour pouvoir avoir des réponses globales aussi. Oui. C'est ça qui est complexe. Elle ramène à quasiment des actions temps réel, quoi. Ouais. Et du coup, j'ai du mal à savoir sur quel niveau de zoom en fait il faudrait se situer et quelles sont les actions des joueurs, en fait, ouais. Du personnage. En fait. Qu'est-ce qu'on décrit? Parce que si c'était plus macro, si ça reprenait plusieurs trucs, on pourrait zoomer à un moment où il y a une tension, tu vois, juste. Où tu vas faire une attaque, tu vois, tu vas faire. Mais si t'es en planque, bon, ben t'es en planque et t'as le temps de faire du drama et de travailler sur ta vie de commissariat. Mmh. Et puis tu jettes un dé, et puis tu vois le résultat de la planque sur 4 jours, tu vois. Ouais. Mais sauf que finalement, t'as pas assez d'infos. Quand tu jettes la manœuvre, la manœuvre, elle te permet pas d'avoir des infos globales. Enfin. Ça me donne cette impression. À le relever les indices, quand même, avec le gagner une preuve, il est quand même assez court, quoi. Mmh. Attends, mais il n'est pas plus détaillé dans le bouquin. Bon, bref. Eh bien, il va falloir trouver une bonne idée pour la suite. Bon, quelque chose de grandiloquent. Moi, je pense qu'il faut aller sur Prophète et ouais, mais il faut finir sur Krista, non? Ouais. Bah, moi, j'avais prévu de faire, mais du coup, cet épisode n'était pas tant sur toi. Je pensais que ça allait être plus, je sais pas pourquoi, au début un peu. Mais le prochain, oui, il était prévu pour Krista. Et aussi, bon, je reviens juste sur les dossiers qui, moi, je les vois pas durer plusieurs séances, quoi. Ça voudrait dire en faire popper. Enfin ouais, c'est ça, le focus des gens, enfin des joueurs, même du MJ, quand tu crées un dossier et que tu commences à t'intéresser à des enjeux tels que des enlèvements de gamins, t'as l'impression qu'il faut t'y atteler, quoi. Mm-hmm. Mais bon, c'est peut-être aussi la difficulté d'un jeu de flic, hein, ça. C'est-à-dire. Ouais, à quel moment tu décroches, à quel moment tu fais autre chose, à quel moment ça parle d'autre chose. Ma foi. Mais ouais, quoi qu'il en soit, moi j'aime trop cet univers pour le laisser tel quel, donc je pense que ça va me donner un espèce d'arrière-goût non inachevé. Je reviendrai dessus avec vous perso si ça vous dit, peut-être après un autre jeu ou que sais-je. Hein. Ouais. Soit avec un autre cœur PBTA, soit avec un système classique. Est-ce que tu as regardé du coup, parce qu'il existe aussi avec en version Fate, est-ce que c'est. Ah bah en plus, non, je l'ai dans un coin, non, j'ai pas regardé, ouais. Non, j'ai pas regardé. Effectivement, mais je connais pas Fate, moi j'ai jamais fait tourner. Non plus. Après, en soi, juste si t'as. Rien que le. Vu que t'as déjà l'univers, en fait, le système Fate seul.
T'as pas besoin d'avoir... Oui, complètement. Hein. Mmh. Non, après, c'est moi, le système COPS, je le trouve... Bon, il est un peu orienté à action, mais il y a tout un tas de compétences sociales. Et on pourrait faire nos dramas aussi, enfin, comme on aime. Parce que toi, tu disais qu'il y avait un cadre Berlin 18 pour Fate. La nouvelle version du jeu là, est sortie en motorisé, propulsé par l'Apocalypse et en Fate. Les deux. D'accord. Les deux ouais, versions. Mais j'ai peur que ce soit assez proche. Du coup. Fate, c'est un système générique qui fonctionne avec des dés neutres plus ou moins. Enfin, c'est des dés particuliers et tout repose sur des aspects en fait qui vont te servir de modificateurs. Voilà. Et enfin, c'est pas que des talents, les aspects, ce sont aussi des aspects des scènes. Donc chaque scène va avoir des aspects que tu peux utiliser. T'as des contraintes avec t'as tout un tas de trucs. On en discutera, mais le seul truc que je sais, c'est que pour l'enquête, le système de base des fois est un peu faiblard. Mm. Après, c'est vrai que nous, on l'a souvent joué assez action pulp. Moi, si je veux un peu. Bah après, on peut tester avec COPS. De toute façon, c'est juste le setting qui change, mais les règles, elles doivent être assez proches. Règles de flics, oui. Ah oui, elles sont faites pour. Oui. T'as tout un tas de merdiers de hiérarchie. Tu évolues, ton personnage, il évolue en ayant accès à des stages de formation. Enfin, c'est un jeu de flics aussi, mais classico-classique. Et action sur ce qui est des courses-poursuites et fusillade, il y a quand même pas mal de... Mais bon, comme est décrit l'univers de Berlin avec tous ces gangs surarmés de partout, là, c'est pas... Non, plutôt non. Nous verrons, mais c'est pas fini. Donc on va essayer de trouver une envolée pour vos personnages, là, pour avoir envie de les retrouver plus tard. D'ici la prochaine. Voilà, musique parfaite. Exactement. Eh bien, bonne fin de soirée. Ouais. J'ai parlé trop fort. Ah non. Et vive la vie. Exactement. J'ai un gros coup de lag en fait, là j'ai tout de décalé. Vous m'entendez ou... Oui. Ciao. Ciao. Ciao.